Et bonjour tout le monde, c'est Loulou pour Ivassin Studio, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 40e épisode de notre aventure Dofus sur le serveur monocompte Illizael. On est toujours en compagnie de Jake, bonjour. Bonsoir. De Yakipon, bonjour. Bonjour. Et de Imajiro, bonsoir. Bonsoir. Au programme d'aujourd'hui, on va faire des quêtes, beaucoup de quêtes. Et si on a le Et des temps, quêtes. capturer des dragonnades. Parce qu'on va en avoir besoin pour les quêtes du Dofus, Emerald, pardon. N'en Ah parlez voilà, pas, ah ben pétasse, s'il voilà. vous plaît. Non, mais il a cafouillé juste à la fin, c'était parfait jusqu'à présent, je suis dégoûté, remboursé, donc moi je m'en vais, ciao. Non, c'est bien, très très bien, très 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 bien. Et ouais, donc beaucoup de quêtes. Nous sommes actuellement en 21-29. Je sais pas si tout le monde est là. Non, on est le 12-04. Ha C'est où ça, moins 29, moins On est 29. sur C'est sur l'île de Pandalore. Ah, Pandalouille. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Je crois que c'est mon micro. Ah. Ah ouais, mais on aurait dit qu'il ronronnait. Mon micro ronronne, oui, tout à fait. C'est parce que je l'ai caressé dans le sens du... Ah mais complètement, ASMR petit chat là, je me suis dit waouh, trop bien. Attends, c'était comme ça? Je sais pas, c'était bizarre, mais il y a eu le bruit que t'as fait dès que t'as dit attends, c'était comme ça fait clic clic, et après, je sais pas, il y avait un espèce de ronronnement quoi. Non, c'était pas toi. C'était pas moi là, c'était le micro. Hein. Donc sur Pandala, on avait donc on est à la deuxième quête de découvrir de l'île de Ouche. Pandala. Ouche. Et donc le but c'était d'aller voir la chef de l'île de Pandala dans le palais du bambou. Sauf qu'il y a le secrétaire à l'entrée du palais qui veut pas qu'on entre et qui demande une certification comme quoi on a aidé des gens dans Pandala. Donc au stream d'avant, on a aidé le banquier. Là, on va Ouais. aider. Où est-ce que tu vas, Jake? Hmm. Je vois passer devant nous. Mais sur la carte, le palais du bambou, il était à côté. Oui, mais on est On là. n'est pas au palais du Parce que bambou. là, on va aider le PNJ qui garde l'hôtel de vente des consommables. Parler des yokai. Oh mon dieu, on a parlé des yokai aujourd'hui en plus. Ah bon? Oui, c'est. Alors, je fais une très très petite parenthèse. En gros, dans C'est le bon. projet Radio Caravane en ce moment, on a l'idée de faire une chronique qui sort de l'ordinaire, mais un peu dynamique en mode YouTube combini, etc. Enfin, bon, bref, c'est un délire un peu bizarre. Et du coup, il y a eu une demi-heure de aller chercher de l'inspiration YouTube. Et du coup, il y en a qui sont allés chercher du Dirty Biology, il y en a qui sont allés chercher du Aurore Emanuest, d'autres, un tatoueur qui, enfin, que je connaissais pas, qui faisait de très belles choses. Et quelqu'un d'autre qui est tombé sur Nota Bene, qui est très bien. Et la vidéo, quoi, du coup, on a passé aux vidéos proches, c'était. L'histoire de la mythologie japonaise et notamment des yokai. Et le problème, c'est que cette vidéo-là de yokai parlait beaucoup de comment dire, d'anatomie entre les jambes de yokai. Oui, malheureusement, c'est voilà. très récurrent là-bas. On était à un haut-parleur, son à fond, fenêtre ouverte, porte ouverte pour l'aération, toute la grainerie a entendu. Je peux te dire qu'il y a eu beaucoup de rire dans la grainerie, ils n'ont pas compris ce que faisait Radio Caravane. Non, tu m'étonnes. C'est long les échanges là quand même. Ben, à la base, t'as pas besoin de tout ça si t'as le Flitonouga, c'est ça? Oui, mais vu qu'on n'a pas fait la quête. Ouais, le Filou Tounouga, je sais même pas comment ça s'appelle. Je t'ai vu prendre de l'eau. Et alors? J'ai pas Il le a droit. raison, il faut de l'eau froide. Il faut de l'eau froide. Non mais c'est vrai. Faut de l'eau froide. J'ai pas le droit de prendre de l'eau? Si si. Tu l'as d'ailleurs l'eau froide de ton nom ou pas encore? L'eau froide? Mais Ah, pourquoi il vous est pas parlez au d'eau froide? courant. Mais tu t'en souviens pas? Pour les yokai, il faut de l'eau froide.
Ah bon? Tu te souviens pas? Il y a un yokai qui ressemble à une espèce de chat dans le village. Et si tu l'arroses d'eau froide, ça devient le yokai et tu peux le capturer pour ton... Ah oui, pour le... Pour le Diko yokai. Voilà. Non. Je ne connais pas ce... Non. Je ne connais pas cette théorie. Empire sur le chat qui dit Valar Morghulis, mes amis. À ce à quoi on te répond. Valar... Comment on dit ça? Valar Morghulis, Valar... Oh, je sais plus. Regarde la série, tu verras bien. Valar Dohaeris, voilà. Oh, des fraises. J'en avais deux en banque. C'est pas grave. Tiens, de la terre. Mais non, c'est du pâté en croûte. Du pâté de croûte. Je veux l'enlever de mon inventaire. Dégueulasse. Attends, il faut tout ça. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Énormément de choses. C'est pas fini. Mais c'est bon. Une feuille de salace. Oui. D'accord. Mais tout ça, c'est pour manger les 5 fruits et légumes. Ah non, il y a une grevette. Oui. Oui. Et un cralamour. Ah, c'est un Splatoon. Un chocolat. Voilà. Un panda pilé. C'est une bière. Ah oui, en effet, ça ressemble à une bière. Alors, on va tous aller au château d'Amakna. Mais pourquoi on s'est donné un... Ah, faut quand même qu'on y aille. Mais on fait le filou. Il faut faire la quête, je comprends pas. Ah, mais on fait le filou au final. Oui, oui, il faut le faire. Ok, d'accord. Sinon, on peut pas continuer la quête. Il y avait pas un choix, genre, soit tu fais la quête et c'est bien, soit tu fais pas la quête et c'est moins bien. Soit tu payes 50 000 kama, mais je crois que t'as pas... Ah ouais, non, on va peut-être pas faire ça. Au final, toutes les ressources ont dû te coûter 50 000. Non, même pas. Même pas. On va où, bon, ça va. On va juste au-dessus du zap du château d'Amakna. En 3-6. Un monsieur on L. Parle à le monsieur. Proposer de partir à la recherche des enfants disparus. On est obligé. Allez parler à ma femme, Madame L. Mes enfants. Mon dieu, c'est un belge. Hans Gret. Ah, je viens de comprendre. Le ah, mais ils sont à la montagne d'Aqualac. Oui, alors on n'y va pas de chez Pendep. Attendez. Okay. Il faut d'abord aller en 6-7. Allons, 6-7. Ben, je l'ai pas reconnu, mais il était très bon ce thé. C'était un thé à quoi? C'était un thé vert. À la menthe, peut-être? Non. Je sais que c'était pas la menthe. Je sais plus quel c'était. Il était très bon. Ben, il est très très bon, oui. Rimfire qui fait des maths sur le chat. Eh ben écoute, si le chat peut te servir à faire des maths, Rimfire, fais des maths. Vous parlez au risotto. Bah, risotto. Risotto. Risotto, mon dieu. Ensuite, on va en 4-6. 4. Ouais. Par vous, il n'y a rien d'anormal. J'aime beaucoup le nom de la quête, c'est frugal une fois. On parle à Fred Auster. Ah, dehors ? Oui, oui. Mince. Je reviens. Ah, il est là. Et enfin, on va en 1-0 dans le village d'Amakna. 1-0. Là où il y a l'attitude, bisous. Faut aller voir Jordi. Oui. Mais je peux rien, c'est comme ça qu'il s'appelle. Je sais. Pourquoi ça te fait rire? Genre, faut aller voir Jordi. Ah, mais...
Bon, leur nouveau système de quête, c'est bien, mais quand c'est des doppels, ça m'énerve. Faudrait qu'ils les mettent en bleu. Ah oui. Qui s'affiche en fonction de. C'est ça, en fonction de la région où t'es, il te dit tiens, regarde, t'as ce genre de quête. Mais ce serait bien que les quêtes répétables, ils te les mettent en bleu. C'est vrai. Non, bon, déjà qu'ils réparent l'île de Pâques, après on verra. Pouac. Parce que là, je suis très déçu. L'île de Pouac. Très très déçu. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un événement. Ah oui, ben, il est reculé. Ah bon, ça a duré 2-3 jours, ça a explosé. Ils ont dit bon, ben, on verra plus tard. Ah ouais. Ouais. Pourquoi t'es tout en chocolat, toi? Ah, ben, c'est d'un... parce que t'étais. C'est pas. Almanac. Oui. Ça mérite qui m'a fait ça. Tout le monde a parlé à Jordi? À l'instant, non. Oui. Alors, on va prendre le zap de la montagne des Koalaks. Et on va voir plein d'ep. Et on va en moins 12, 8. En Johnny bas. En bas à droite. D'ep. En bas à droite, t'as une espèce de petite en. Pas encoche, mais. Enclave. Ouais, je dirais enclave par. Montagne des Koalaks et quoi après? En bas à gauche? En moins 12, ouais, en 8. Bas à gauche, t'as une espèce d'enclave avec une maison. Mmh. Bon, on y est déjà allé, je crois, là-bas pour une autre quête. Ah oui, pour le slip des enfants. Là. J'ai pas entendu moins. Moins 12, 8. Moins 12. Ah 8. C'est le truc super chiant où on a dû faire deux allers-retours. Oui. Avec mayonnaise. Sûrement. Non, l'histoire des slips, c'était pas pour un maillot aussi. Ah, peut-être, si, tu as raison. Et vous inquiétez pas, les dragodens, aller... on revient. Hein. On devait y aller, après on devait aller voir Amairo, après on devait y retourner, et Jake n'avait pas parlé une première fois, du coup il était allé à Banta, après il était reparti là-bas, il était re-allé à Banta, et après il est reparti là-bas. Ce jeu est passionnant. Pendep, elle aime beaucoup trop les enfants, c'est bizarre. Je viens d'arriver à la montagne des Koalaks, c'est bien ça qu'il fallait aller. Oui, fallait les apps de la montagne des Koalaks, oui. Ok, et après vous aviez dit quelles coordonnées? Moins 12, 8. 8. Tu peux te téléporter sur moi si tu veux. Oui, alors rappelle-moi comment on fait. Caractéristiques. Ah oui, c'est caractéristiques, c'est vrai, merci. On va dans la maison? Oui. Oui. Dans la maison grotte? Non, dans la maison en pain d'épices. Ah ouais. Ah, c'était là où il fallait avoir des couches sales et tout là, non? C'est ouais, le slip souillé d'un enfant. Ouais. Ouais. C'est la sorcière. Oh, ça donne faim. Faut défier une créature object, non, c'est ça? Non, dire que vous ferez ce qu'il faudra pour libérer les enfants. Ok. Pourquoi j'ai un texte, moi, qui lui dit demander comment se procurer les ingrédients? Ouais. Ah bon? Pareil. Ouais. Je dois avoir une quête liée à elle. Mince. Demander comment se procurer les ingrédients, pareil. Ah, bon. Bah, pas moi. Bah, attends, je vais voir ce qu'elle dit. Ah, mais c'est pour le slip. Pour le slip, je peux te présenter des mioches que j'ai récupérées. Pour l'os, je te conseille de trouver une tombe dans une crypte. Ah, mais non, c'était pour Halloween. Ah. C'était pour Halloween. Donc on peut sortir. On sort de la maison. On les a pas sur nous, les items? Même s'il n'y a plus Halloween? C'est surtout qu'il faut faire d'autres choses pour pour continuer. Okay. On va au zap du village d'Amakna. Et on va voir Paul Bocuse. Et on va juste au-dessus. Attends, je l'ai pas. T'es sérieux? De quoi, le village d'Amakna? J'y vois pas. Je sais plus lire, d'accord. Paul. Parle à Paul Bocuse. Il y a Bougnette. Bougnette. Ah, c'est Phil Tunga. Il y a Bougnette. La Pougnette. Même Gloutovor, pas fini. Oh, punaise. Il faut aller voir Mousse Diouf. Oui, il faut aller voir Mousse Diouf. À quoi? Faut aller à Bonta
Il est en moins 34, moins 52. Attends, on est tous au même... Tout le monde a parlé à Paul Bocuse. Oui. Fallait bien réfléchir et pas lui donner 50 000 km, c'est ça? Ah! C'était quoi ça? Rimfire a capturé un abo. Merci. Ah, merci Rimfire. Merci. L'abonnement Prime. Merci beaucoup. Non, faut pas lui donner 50 000 km. Non. Est-ce que tout le monde doit aller voir Mousse Bouffe? Oui. Oui. C'est bon, Jake? Attendez. On est toujours sur la quête. Ça est. Va dans la baraque à frites. Oui, oui. T'es allé dans la baraque à frites? Oui. T'as parlé à Paul? Paul Bocuse, il me dit soit je dois lui payer beaucoup cher. Beaucoup, mon Dieu, c'est français ça. En gros, 50 000 kamas, soit je dois réfléchir. Est-ce que t'as parlé à Pain d'Épices? C'est qui Pain d'Épices? Dans la maison d'épices. De tout à l'heure, oui, mais ça faisait rien de plus que. Mais elle te dit quoi, la quête Saifurgal, une fois? Parler à Pain d'Épices. Allez voir Pain d'Épices. Bah, tu l'as pas parlé alors. Bah, si, j'ai cliqué pour ça. On y retourne. Génial. T'as bien allé là-bas. Moins 12-8. Mon plein de quoi, là? Je suis désolé. Pas grave, ça arrive. Pourtant, je lui ai parlé. T'as pas pris la bonne solution. T'avais soit le truc des enfants de Halloween, soit l'autre. Et t'as dû faire le truc des enfants. D'accord. Ce qui est bizarre, parce que je comprends que tu te sois trompé. Parce que le but de la quête, c'est de trouver les enfants des deux zigotos. Normalement, l'un dans l'autre, les deux textes. C'est bizarre. Parce que peut-être que sur cette quête-là, tu avais fini la quête en question. Nous, on n'a pas dû la terminer. Peut-être qu'il fallait qu'on fasse. Je crois qu'il fallait qu'on aille faire un. On n'a pas fini. Un régnier ou un truc du genre. C'est juste le donjon à faire. Ouais, je sais pas. Peut-être que. Je sais pas. Mais ça expliquerait pourquoi il y a eu quiproquo. Encore 4 cases et je suis à la maison du pain d'épices. Attention, te fais pas manger par là. Bah, c'est pas un enfant donc il craint rien. C'est pas un enfant, Jake? Non, je crois pas. Je suis pas rasé depuis 2 mois et demi, ça compte? Je sais pas depuis combien de temps je me fais raser, moi. Au moins depuis mes 18 ans. Minimum. Dire que vous cherchez des enfants. Oui. Les enfants ont dû venir chasser. Oui. Préciser qu'ils étaient deux. Dire que vous ferez... Et il faut faire quoi? Dire que vous les libérez ou la créature abjecte? Les libérer. D'accord. Miquette, mise à jour. Ah. Et maintenant, tu retournes au village, dans la baraque à frites. Avant de rentrer dans la baraque à frites, tu regardes que sur le stand, il y a des Burger Quiz. Et après, tu rentres dans la baraque à frites. Et tu parles à Paul Bocuse. J'ai pas fait attention tout à l'heure. Ah, mais c'est des énormes... C'est juste des hamburgers avec des yeux. Donc ouais, on pense qu'à ça. Village d'un Macna. Ouais, oui, c'est un Burger Quiz, en effet, oui. Complètement. Allez, je commence à me déplacer à bon tas. Oh. Ah, voilà. Quête mise à jour, allez voir Mousse Bouffe. Oui. 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 Vu qu'apparemment, faut le dire. Mousse Bouffe qui se situe à Bonta. À Bonta. Tu peux te téléporter sur moi si tu veux. J'avais une potion. C'est de la triche, moi je peux pas. Mariez-vous? Non. Je
pas sûr que la polygamie soit autorisée dans le jeu. Ah, je ne pense pas, non. Non, mais les couples homosexuels sont autorisés. Encore heureux, il faut avancer. Hein. Vous êtes tolérés ici. Oula, doucement quand même. Mais c'est pour sauver des enfants. Il est où le monsieur? Où tout en haut à droite. Il a une marmite sur la tête. Il est caché sous ça. Il est sur la tête, lui. Une marmite à l'envers. Ouais, mais c'est une marmite chuchu, on dirait. Et on retourne à voir Paul Bocuse. Non, sérieux? Eh oui. Zap de Macna. Oui, voilà, c'est ça. Macna, et on lui donne Macna. Tous les ingrédients. Et il est content de faire mougnette. Bougnette, pardon. Faut lui parler deux fois. Oui. Ouais. Donnez les ingrédients. Donc en attendant qu'il prépare la recette, on retourne à Bontava. Vous bouffe. C'est insupportable. Sans déconner. Faut vraiment attendre, en gros, c'est on fait autre chose et après ça, on revient le voir. C'est vraiment prévu comme ça? Juste oui. Que tu redonnes le livre. Parce qu'il connaissait le Filtunga, mais il connaissait pas la recette. Donc on est allé chercher la recette à Bonta. Uh-huh. Sauf que le PNJ qui nous a prêté la recette, il m'a dit ok, je te la prête, mais tu me la rends. Donc, D'accord. Bah oui, c'est une recette, à partir du moment où on la connaît, elle est partagée. Et apparemment, eux, ils n'ont pas l'intelligence de la noter sur une autre feuille pour en faire une copie. D'accord. Sympa quand, hein. Il y a des bonnes nouvelles, que je retourne pas. Voir Bolouk. Et une fois qu'on a redonné la recette à Bouzbouf, on retourne voir Paul Bocuse. La Macna, le village de Macna. C'était vraiment très intéressant. Oh, je suis plus rapide que Louis. Pourquoi il parle comme ça d'ailleurs, Paul Bocuse? C'est toi vouloir manger quelque chose? Bon. Tu dois manger? Ouais. Ça fait et bizarre. On va aller retourner voir Pindep. À la montagne des Koalak. J'ai plus de son rappel. Moi. Aïe aïe. Nicolas. Papa para. C'est maman qui m'a acheté des chocolats. Je suis en train de les dévorer. C'est pas bien. Si, c'est bon le chocolat. Même moi, j'ai pas droit. Alors, tu te plains pas parce que moi, elle m'a rien acheté. Oui, enfin, si tu vas par là, moi, ça fait des années dans ce cas-là que je ne fais pas Pâques. Pas Pâques. Ouais, je fais pas Pâques. Et on a fini la ouais, quête. On a gagné un boomerang. De quoi? On lui fait goûter. Ah oui, vaut mieux. Hein. C'est pour la faire tomber dans les pommes. Ben,
C'est tellement copieux qu'il nous en reste. Ça vous offre un point de vitalité pour commencer le parchotage. Yeah. Et on peut retourner voir Paul Bocuse. C'est insupportable. Un Macna, le village de Macna. Parce qu'à la base, on a la baraque à fruits. Débloquer le dialogue. Ouais. Débloquer quoi? Un dialogue. Dire que vous avez une fin impossible à combler. Bah, je l'avais déjà ce dialogue. Et on peut retourner sur l'île de Pandala. Ah oui, tout ça pour ça. C'est ça. Il va falloir que je refasse des potions de rappel, moi. Ça va, avec tes 20 000 orties. Et toute l'eau que t'as taxé dans le puits. Ça prend même plus d'eau, je crois, en plus, si. Je sais pas. Non, je crois pas, hein. De souvenir. Je crois que c'est orties et... Si, c'est orties. Eau, 4 sauges et une eau. Ok. J'en ai plein de la sauge. Donc là, on va au palais, c'est ça? Au secrétaire? Non, en 21-29, là où on a commencé le stream. À droite du sap à Pandala. Pourquoi il y a autant de gens? Oh, mais de tu l'eau. Tu parles à Gaouzou. Mais ramasse pas l'eau, il y a les gens qui en ont besoin pour leur quête. Et moi, j'en ai pas besoin, moi. Quête mise à jour à la croisée des mondes. Donc on a rendu un deuxième service, et maintenant on va rendre le troisième service à la bibliothèque. Yokai Vorace. T'inquiète, il va dégager. Yeah, la bibliothèque. Ah, à l'aide. Faut que je la joue fine, faut que je trouve le dragon qui soigne. Faut que je fasse du tofu doré. Oh, je vais tellement en suer. Il est trop beau ce bâtiment. Après, attends, après il faut reparler au vendeur. Oui, oui. Ah ok, je l'ai pas fait. Pas grave. Je vois que j'ai encore quand le vous point sur ma carte. Dans la bibliothèque, parlez au. Si je veux. Oui, Nico. Parlez au PNJ qui aurait de chaussée. Lequel, le balai ou l'autre? Voilà. Je sais, je déconne. Ah, ça va être tellement dur. Et prends la peine de bien expliquer ce qu'il faut faire. Hein. Alors. Attends qu'il y ait tout le monde. Ah. Merde, je suis descendu trop bas. Il n'y a pas un succès, lire tous les bouquins du jeu. Non. Quelle horreur. Ça existe dans WoW, ça, je crois. Oui, oui, c'est... Mais alors... tu triches, en fait, tu passes les pages sans lire et ça valide. Tout le monde est là? Oui. Donc, quand on va parler au... Enfin, le but de la quête, c'est de virer les yokai bruyants de la bibliothèque. Donc on va lancer un combat. Le lance pas, Jake. Hein. De suite. Pendant ce combat, on va avoir un nouveau sort. Le Yokai Dodo. Qui permet de retirer un PM infini au Yokai. Un PM infini? Oui, c'est tu lui retires un PM pour toute la durée du combat. Attends, quoi? Mais ça a changé? Bah non, ça a toujours été comme ça. Mais non, comment tu fais après pour les placer? Mais il faut pas les placer. Bah bien sûr que si. Bah quand tu joues par exemple comme
comme Thomas qui joue terre, si tu es obligé de les placer, sinon tu peux pas les, tu peux pas finir le combat. À cause du tacle, à cause des PM, à cause des PA. Bon. Je continue. Bon bref, ça enlève un PM. En voilà. Fait, donc, il faut essayer de retirer le maximum de PM pour pas qu'il s'en aille à l'autre bout de la map, pour qu'il se reste à côté de vous. Inutile de les taper avec vos sorts normaux, parce qu'ils ne reçoivent que 5% des dommages. Pour gagner le combat, il faut lancer le sort Yokai Dodo sur tous les yokai dans le même tour. Oh là là. C'est quoi la PO du sort ? 2 PO. 2. Avant c'était 1, hein, vous plaignez pas. Hein. On peut pas leur juste leur dire comme des bibliothécaires. Donc, attention, quand vous allez le lancer sur un certain type de yokai, ça va vous retirer des PA, sur un autre type, ça va vous retirer des PM, et sur un autre type, je sais plus ce que ça fait. Parfait. C'est le tacle, je crois que c'est, tu pars en tacle ou en fuite. Mmh. Un truc genre. Bon, allez, je me lance. Il y a Brillant et Braillard. Il y a Braillard, Hilar et Brillant. Il y a que 3 ? Jake, Jake Pont a lancé le combat si tu veux voir comment ça se déroule. Il est où ? Tout en bas, tout en bas, au-dessus de la map, t'as un œil au-dessus de la mini-map. Oui. Un combat sur cette carte, tu le vois ? Oui. Clique dessus. Observer. Voilà. Ah mais c'est solo ? Oui, ça se fait tout seul. Ah. J'en ai déjà marre. C'est très dur. Hein. Sans déconner, il est vraiment dur ce combat. Hein. Ils ont combien de PM ? Oh là là ! Et attends, il se transpose entre. J'ai oublié un truc, moi. J'ai oublié de me soigner. Ça va être très très dur. Allez, c'est parti pour mourir. Ils sont tous éparpillés. Oui. Courage. Oh là ça là, la bouille encore, hein. Le jeu il lag. Hein. Ouais. Oh, le placement de mon perso c'est un enfer. Alors, comment va-t-on faire ? Vite, 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 vite. Impossible de jouer avec le lag. C'est très dur, ouais. Ça faut vraiment prévoir ce que tu vas faire. Hein. Non, t'éloigne pas. Élan. J'ai failli terminer sur ce tour-là. Purée. Je suis dégoûté. Il me manque un PM. Oh non, il transpose. Ouais, il transpose et tout. Courage. Vite. Oh non. Y'a déjà quelqu'un qui a réussi à les tuer ? On peut pas les tuer, je crois. Si, avec des dommages de poussée. Mais faut le vouloir. Oui, enfin. Tu
tu t'as pas vu comment je l'ai fait avec le Sadida, moi, ce combat. Ça se voit. Hein. Ou du poison. Deux gonflables. Ouais. Non, poison. Deux gonflables. Des arbres partout. Partout pour éviter qu'ils bougent. Sinon, je n'y arrivais pas. Je pouvais pas les tacler, je pouvais rien faire. C'était trop difficile. Donc, la map était remplie d'arbres. Et vu que j'avais deux gonflables, dès qu'elle faisait le heal, ça le faisait sur tous les arbres. C'était long. Je crois que j'ai mis trois quarts d'heure à faire le combat. Ah oui, quand même. Ouais, c'était très très long. Yes, on a fait un stream de 3 non, heures, c'était ouais. Avec le Sadida. C'était... J'ai pris la technique qui était très longue, mais j'étais sûr que ça allait fonctionner. Et ça a fonctionné. Mais c'est très très long. On a besoin de ligne de vue pour le sort ou pas? Non. Ah! Ça m'arrange. En vrai. Ils ont fumé quoi là? Je sais pas. Mais c'est normal qu'il y ait autant de lag. Attends, on est quel jour? Lundi? C'est les vacances? Je suis dégoûté. Ah, avec le lag, j'aurais pu terminer là. Je comprends pas que ce serveur lag autant. J'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de monde. C'est le seul serveur monocompte. Oh, fait, qui prévoit le truc pour dans ce cas-là? Enfin, c'est quand pas même. Le seul, mais c'est le plus peuplé. Quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. L'enclume, c'est à dire qu'on est taclé, c'est ça? Ça veut dire que... T'es enraciné. Oui. Oh, en mode présentateur. Tu peux pas te téléporter ou quoi que ce soit. Zut. T'es en état de pesanteur. Mon personnage peut bouger ou pas? Non, pas du tout. Non, il peut pas. C'est interdit. J'ai cliqué, par hein. J'ai cliqué, il se passe rien. Ah, oh, il commence à bouger. Ils étaient tous bien dans un coin et là ils commencent à bouger. Dommage. Il y a deux tours où j'aurais pu terminer, il me manquait un PM à chaque fois. Dommage. Faut que je fasse un bouffe-tout. Mais je sais plus lequel attire. C'est dommage. Il joue même plus quoi. Reste là s'il te plaît. Allez mais bouge. Non t'en vas pas. Ah c'est dur. Là-bas. Bon, moi j'apprends des trucs sur mes sorts quand même. Moi j'apprends que c'est injouable. Ouais, ouais. Ah. C'est compliqué. Hein. Ça lag. Hein. Ah ouais, ouais. En fait, ce combat, c'est une énigme à la professeur Layton. 10 000 Picara. Qui est bête. Allez. Je peux pas contrôler mes invoques. Le temps qu'elle bouge, ça met 10 secondes et je peux pas les contrôler. Ah mince. Yakipon. Yokai Hilar lance IA. C'est quoi ce sort? IA. Oh merde, j'ai pas l'idée. Mais joue, purée. Pourquoi il joue? Mais il veut pas jouer. Il veut pas bouger. Terminez votre tour avec le bouton fin de tour. Oui, on aimerait. C'est le problème. On aimerait bien, mais on ne peut point. Bon, je pense qu'on c'est le fera plus fini. Tard ce combat parce que là. C'est déjà fini, Louis, toi? Non, non, non. Ah. Yokai Dodo, ça leur enlève 1 PM. Oui. C'est ça? Ah, mais ça va. Encore toi, Louis, t'es au tour 7. Je suis encore au tour 5. Je suis au tour 4. Tellement ça lag. Oh, il a réussi à se détacler, lui.
Moi, j'apprends à me servir de mon masque grimaçant. C'est pas mal, en vrai. Non. Au niveau 120, c'est mieux vaut tard que jamais. Allez, déplace-toi. Ah, c'est dur. C'est très dur. Ouais, je pense que j'ai le temps. Mais en vrai, plus tard. J'ai le temps de me faire un café entre deux tours. Comment les gens font pour jouer au jeu sur le contenu de haut niveau, là? Comment ils font? C'est juste impossible. Après, c'est peut-être ce combat qui est aussi... Non, je pense pas. Je pense que malheureusement, c'est tous les combats. Tout à l'heure, j'ai fait un combat contre un Pew pour enlever la couleur marron. Ouais. Le Pew, il avait du backslash. Ah, c'est... C'est compliqué, non? Tu sais que je t'ai dit, on était encore au tour 5. Oui. J'y suis encore. Ah, pareil, hein. Moi, il y a encore... deux... Je suis encore au tour 7. Oh là là. Je devrais chronométrer le tour de chacun des mobs. Bah, ils te mettent 30 secondes, mais... Non. Plus de 30. Si, c'est le 30 secondes que tout le monde a le... Ah oui, il dépasse à cause du mouvement après. Ouais. Ok. C'est raide. Il devait pas ouvrir un deuxième serveur monocompte ? Si, il y en a un deuxième, mais... Personne n'a migré. Il est ouvert trop tard, donc tout le monde reste sur Israël, quoi. Oui, tu m'étonnes. Encore le tour 4 ? Il la troll, quoi. Je regarde même plus le combat, tellement ça m'intéresse pas ! C'est très très raide. Putain, j'aurais pu faire les 5 à cause du lag, je peux pas. Ouais, moi non plus, c'est plus jouable. Je peux pas faire de sort, je... Bon bah j'abandonne. Tant pis, on fera plus ça. Ah, Makao, t'es presque morte. J'ai lancé 20 sorts dans le vent, on va voir s'il passe ou pas. Dans le vent, j'ai lancé tout plein de sorts. Encore. Mais même se déplacer est une épreuve de tous les jours. abandonner, c'est n'importe quoi. Mais même abandonner, c'est long. Même abandonner, c'est long. Tellement raison. Bah. Ankama, ça fait deux fois là en l'espace d'un mois que je vous ai dans le nez. Ah, pour faire des skins, pour faire des bundles à 20€, là, il y a du monde, mais pour faire des maintenances de serveurs, là, il n'y a personne, hein. Non, on veut bien recevoir des peluches de chacha en compensation. J'avoue. Non, moi, je préfère avoir du temps de jeu ou alors un remboursement de l'abonnement. Aussi. Ou une peluche de bouffe. Non. J'ai dit non. Je veux pas de peluche. Ah, c'est pénible. Attends, je vais bouger. Est-ce qu'on va voir sur ton... stream? Alors moi, non, je bug pas dans mon mouvement. Bouger me bug pas, par contre, changer de map, c'était... Ah non, changer de map, ça va très bien. C'est le combat, c'est... Oui, c'est juste le combat. Ah là, moi j'ai tout qui plante. Ouvrir une poubelle... Ah oui, non, si, t'as raison, j'ai tout qui plante aussi. Ouais. Ouvrir une poubelle, c'est... Le problème qu'ils ont aussi, je trouve, en Kama, c'est qu'ils ne peuvent pas prévoir. En fait, il y a tellement de monde sur le serveur qu'il y a trop de place. Ils devraient limiter le nombre de places. Bon, ce qui est un peu pénible parce que de toute façon, vu que tu payes un abonnement, ça peut être embêtant, je pense, pour n'importe qui. De ne pas aller sur le serveur qui veut, mais faut qu'il je sais pas en fait, parce que avant il y avait au taquet de serveurs et ils les ont regroupés, sauf que là c'est l'effet inverse,
Il n'y a pas assez de serveurs, il y a trop de gens. Du coup, on fait quoi? Je tout sais le monde pas a abandonné. Alors. Ouais. Normalement, vous avez lancé la quête, le réceptacle des Dofus. Oui. Alors. Il faudrait c'est calmer une quête, les yeux. Attends, mon tableau de quête met du temps. Le réceptacle des Dofus. Quête je crois principale. Que c'est sur Pandala. Ouais. Il faut aller. Allez voir Surivitna. Oui, antivirus. Oui, c'est la base générale, même là, c'était le jour. C'était quoi c'est ça exactement ça. C'est à s'y méprendre, on aurait dit. C'est insupportable. En plus, avec le gros. Blink. La main. Oh là là. Mais ça rame trop là. Ouais. Les mecs sont dit bon, il est 22h, il faut faire péter les serveurs. Go! Tout le monde sur Dofus. Ah, en même c'est... temps, je vais pas dire, mais Wakfu était en tendance Twitter. Hein. Ils ont des problèmes sur Wakfu, tu penses aussi? Non, non, c'est qu'il y a des gens qui demandaient des bonnes séries à regarder avec les enfants. Mais ça ne change en rien que le serveur Dofus explose. Mais peut-être qu'il y en a, ils se sont dit ah, Wakfu, ah, Dofus, allez, je vais jouer. J'en ai aucune idée. Ouais, c'est très raide, là. Et pourtant, on a joué quand l'été dernier, quand les serveurs étaient ultra pleins. Ouais. Et qu'on, ça, avait, et qu'on avait plus de 2 heures. Là. Mais oui, mais on avait quand même 2 heures de file d'attente. Oui, mmh. D'accord, mais après, ça ramait pas. Ouais, 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 ouais. C'est bizarre, ça. Il y a un post sur le forum Dofus, là, justement. Comme vous vous en doutez, le serveur est très sollicité depuis ces derniers mois en raison de la période particulière que nous traversons notamment. Mais nous observons la situation pour détecter plein de postes potentiels, patati patata. Nous n'avons hélas, dans l'immédiat, pas de solution simple et facile à déployer pour améliorer la situation. Comme vous le savez, nous avons plusieurs projets visant l'optimisation technique, Unity, etc. Puis Temporary, ça arrive pour soulager, patati patata. Mais ça ne parle pas directement du serveur. C'est juste à patienter, le serveur va être soulagé quand les gens partiront. C'est pas une solution concrète. Non, c'est pas une solution concrète et c'est surtout, je ne comprends pas qu'on l'ait pas eu l'an dernier. Mm. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. L'an dernier, le jeu a littéralement explosé et il s'y attendait pas parce que ben il y avait beaucoup de gens qui n'avaient malheureusement plus que ça à faire quoi. Là, ça fait quand même des mois et des mois que ça dure cette situation là. Pourquoi ils ont pas anticipé le truc? C'est quand même fou, c'est comme partout, que ça soit sur les jeux, que ça soit en politique, que ça soit partout, il n'y a rien qui est anticipé alors que ça fait plus d'un an qu'on est dans la mouise. Allô les gens, réveillez-vous. Ouais, mais on aura la 5G à la fin. Ah, ça c'est trop bien, ah, moi je suis ravi. On aura la 5G sous la peau grâce au vaccin, alors, trop trop bien. On pourra capter de partout. Déjà qu'ils mettent la 4G partout en France, après on verra avant de mettre la 5G. J'avoue. Alors, fun fact. Ah, non. J'aime les fun facts. Parce qu'en fait, la 4G et la 5G sont des technologies complètement différentes. Ce n'est pas une raison. Et que tu captes mieux avec la 5G qu'avec la 4G. Enfin, ce qui est. Mais pourquoi mon perso il bouge tout seul? Oui, mon perso il bougeait tout seul aussi, je crois. Putain. Mais. Arrête! Je comprends pas! Qu'est-ce qui se passe? Le jeu explose! Moi aussi, tourner, genre bili bili bili. Mais mais qu'est-ce que tu fais? Mais il fait rien! Je suis d'accord, hein. C'est moi aussi, ça fait 3 fois qu'il bouge tout seul. Mais moi, il bouge pas, mon perso, il est. Ah oui, mais je veux pas dire, Thomas, il fait des bêtises, hein. C'est. Il a raison. Ça fait 2 fois. Moi aussi là, ça fait 2 fois qu'il bouge tout seul. Il est possédé. Mon ordinateur, il est possédé. Voilà, t'as parlé de la 5G, on s'est fait posséder, bravo. ça y est. Je suis très dégoûté. Donc, on vous attend en 20-27? Oui. Non, moi je suis en 22-27 parce que je dois calmer les ivrognes qui est la suite de la quête. Allez.
Ah. Là, t'as déjà parlé antivirus ? Eh oui, qu'est-ce que tu crois ? C'est un combat solo ou pas déjà ? Je fais le saluer, dire que vous êtes en quête des Sidophus ? Oui, ou parler des esprits de Pandala ? Le saluer. T'en es où toi, Jake ? Je dois calmer les ivrognes, mais déjà j'essaye d'arriver à Pandala. Courage ! Le combat peut se faire à plusieurs. Ah bon, bah je vous attends alors. Ah mais j'ai cliqué sur Pandawa et il se passe rien. Moi je vais continuer la suite, mais il a oublié son texte apparemment. Attends, ligne s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Page M, annexe 3, Montrador. J'ai été attaqué lors d'une invasion orque. Un verre, les affaires reprennent. J'ai mal. Mais si ça rame trop, on arrête, non ? On peut jouer à Wakfu ? Non. Malheureusement, je ne sais pas quoi faire. Hein. Dinguerie. Ouah, dinguerie. Il y a un mec qui s'appelle vraiment dinguerie. Il y a un mec qui s'appelle dinguerie, oui. J'ai l'impression de marcher avec un déambulateur sur Dofus, quoi. Attendez-moi! Comment? Shonayu. Ouah, dinguerie! Attends, je vais lui dire. Là, je suis. 22 moins 27, il y a des tables de pique-nique, mais je vois rien et en fait il n'y a pas de PNJ. À l'intérieur de la taverne. J'essaye. Pourquoi j'ai appuyé sur H ? Ne pas appuyer sur T. C'est quoi T ? Non. J'ai pas essayé, je t'inquiète pas. Ça te téléporte vers les songes. Dans les songes infinis. Le puits des songes infinis. Ouais, faudra que je le fasse un jour, mais la flemme. Oh, elle est trop belle la tailleur. Attends, mais en fait, il y en a un d'entre nous va lancer le combat. Les autres vont mettre 40 ans à le rejoindre. Ah, ça va être dur. Pandawa et Pompette, Pandawa et Méché, Shunayu. C'est juste. Tu lances lui ? Ouais. Tout le monde est là, non ? Si ouais. Ça veut bien charger. Normalement, je pense que les notifications sont assez réactive, il faut juste que... Non. Bon, au pire, je vais le faire. Hein, c'est parlez pas à Shonayu. Slash kick, 50% du ça à Shonayu. Demandez. Je vais juste fermer le dialogue. De quoi, de Shonayu ? Mmh. C'est bon, tu dois imposer le silence ? Il doit calmer les ivrognes. Non, pardon, calmer les ivrognes. Attends, moi je dois écouter la suite. Si je lis la mauvaise quête. Comprendre le message, se tourner vers les ivrognes. C'est bon. Charge. Et mais disons. Il lui proposait d'aller faire des vocalises à l'extérieur. Attends. Bon, on va arrêter, c'est pas possible. Je viens rejoindre. De lancer. Ah, rejoindre. Tu vois, t'es où, Jake ? J'ai cliqué sur rejoindre.
Ah bon? Oui, oui. Ah. Ah bah oui, c'est bon. Il était dans l'éther. Attention, je change de classe. Ah. Yes. Dur, dur. De jouer à Dofus. Ah, je suis là, d'accord. Allez, one shot les, s'il te plaît, que ça dure pas longtemps. Pourquoi je suis troisième, hein? Parce que j'ai changé de chapeau et que mon chapeau il est nul. Pourtant il donne une initiative. Mais... J'ai toujours. Vas-y, ah mais non, on aurait pu faire ça chacun de notre côté. Ils sont nuls. Ouais, mais dis-toi qu'on concentre le même temps sur le même combat, donc c'est pas si mauvais. On peut paralléliser les tâches. Ouais. Se procurer une peinte de visionnaire. Comment? Et maintenant, on doit aller en 19-32. Le sablier? Ouais. Ah, j'aime bien le sablier. C'est mon pote préféré. Là-haut. La musique est super chouette. Ouais. La zone est chouette. Sauf Funoroshi. Et la quête. Et la dimension encore papier. Elle est jolie, mais alors les quêtes. Non, ouais. Merci quoi. Elle est jolie, les mobs sont cool. Alors les combats, non merci. Alors ça donnera en plus envie. Avec ce perso? Ouais. Ça risque d'être ma première aussi, ça l'est. Bah, nous aussi, hein. Yeah, Erdala. Tout à l'heure, je suis allé à Quadala pour la première fois. Assistant du chaman. Du Willy, du Willy, du Willy, du Willy. Oh non! Non, mais non, ce combat-là, ça va être trop dur! C'est maintenant le combat contre les flamèches ou pas? Oui. Ah, mais là, full lag, ça va être infaisable. On va pas pouvoir bouger, on se mettre au cac et. Pfff, explosion. C'est ça qui va se passer en fait. Vous aviez bien dit 19-32. Oui, oui. D'accord, c'est pour être sûr. Un petit point, normalement, je crois qu'il s'est mis. Tu parles à l'assistant. Oui. J'ai un sablier qui s'est mis pendant une demi-seconde alors qu'il se passe rien. Parce qu'il essaie, je pense qu'il essaie de synchroniser les informations de tout le monde. Mais il n'y arrive pas. Je pense que c'est ça qui se passe. C'est bon, Jake? Je vais supposer. Il t'a téléporté sur notre map? Non. Ah. Le saluer, dire que vous êtes envoyé par le chaman sur... Bon, antivirus, quoi. Je clique. Répondre que vous travaillez, y travailler, revenir plus tard. Je clique. Voilà. Mais elle te dit de faire quoi, la quête, le réceptacle des Dofus? Ça charge. Se procurer une peinte du visionnaire. Mais t'as pas reparlé. T'as pas reparlé à la dame. À la Shonayu à la taverne. Cette information m'est passée au-dessus de la tête. Je y retourne. Désolé. Oh. Les cerfs-volants, ils sont rigolos. C'est des poissons. C'est les petits poissons.
D'accord. Ce jeu est tellement lent. Bon, je vais tenter de faire le combat, on verra bien. C'est même plus ce qu'il faut faire, mon pauvre. C'est solo le combat ? Oui. Oui, oui. Ah bah je peux essayer aussi, non ? Je sais plus ce qu'il faut faire, il y a un truc très particulier, je crois qu'il faut pas être au cac, mais... Alors, il faut... tuer le mob. Faut tuer le mob qui a 1000 PV, mais attention, les invoques, si elles viennent au cac, elles nous OS. Mmh. Oui, j'avais fait ça avec mon Inripsa sur un autre serveur. J'avais pas fait long feu. C'est le cas, ah, pardon. C'était vraiment très amusant. Donc, et le grand elles ont des sorts de nous... Elles ont des sorts, les petits feux, là? Ils ont des sorts? Non, non. C'est juste si elles sont au cas qu'elles te OS. Mais elles ont qu'un seul PM, donc ça va. Et tu peux aller au cac du feu prophétique? Non. Je pense qu'il bouge pas, le feu prophétique, donc oui, tu peux... Enfin, je pense pas que ça soit bien d'aller au cac. Je vais rester là. Moi, je te regarde tous. Oula! Elle gagne un PM ou quoi? Non, c'est bon. Moi, tu sais ce que je vais faire? C'est bon, gagné. Je ne vais pas contrôler mes invoques. Elles auront le droit de faire ce qu'elles veulent. Allez-y, c'est votre moment. Je ne touche plus. Ah oui, si c'est bon, j'ai gagné. D'accord. Il est beau, ce feu prophétique. Oui, il est très beau, oui. Il brille de 1000 feux. Enfin, il brûle de 6 feux, je crois, vu que c'est les Sidophus. Aïe, aïe, aïe. Plus un PM. Il y a une flamèche qui s'ajoute un PM. En attendant, Jake, je reviens. Je viens d'être téléporté dans une belle cascade. Ah, mais rentre pas sous la cascade. Mon père sans vie. Coucou. Fini. Alors là, dans tes objets de quête, normalement tu as une pinte. Il faut la boire. D'accord. Tu vas avoir un magnifique feu. Pinte. Il y a un feu prophétique qui va apparaître. Waouh. Alors, tout le budget est passé dans l'animation. Il va y avoir un combat. Essaye de rester à plus de 2 PO des invocations. À plus de 2 cases des invocations. Le but, c'est de tuer le feu. Je vais passer par là. Bonjour, monsieur. Pas ça. 200. Allez. 200. Et je ne peux plus rien faire. Mais passe ton tour. Oui, oui, c'est fait. C'est une bonne idée d'être aussi près du feu prophétique. Apparemment, il fait rien. Ah, bon. D'où ? C'est bon, tu peux le tuer. T'as gagné. C'est gagné. Pourquoi j'ai plus le son du jeu ? Ah, moi aussi. Et qui pond ? Il est parti faire une pause. Ah ouais. Et du coup, on retourne voir Antivirus. Y a rien à cliquer, pas de dragon à parler. Non, c'est bon. Bah, elle est où la case là ? En bas. Ah oui, d'accord. Eh, j'ai l'impression que ça lag moins. Ouais, ça lag un peu moins. Ouais. Ah bon, on va retourner faire la bibliothèque, non. Ah merde, non. Donc on reparle au chaman ou il faut vraiment refaire... Non, tu retournes en 20-27. 20.
Mais un point nord. Suis, si tu veux, tu peux te téléporter sur moi. Ouais. Merci. Me revoilà. Alors, le... Coucou, me revoilà. J'en ai profité pour fermer les volets. Oh. Ça lag un peu moins, on dirait. Ouais, on dirait que ça s'est calmé, oui. Peut-être qu'il y en a, ils sont résignés, ils sont barrés. 22h, les gens vont se coucher. Allez, c'est parti, on retourne à la bibliothèque. Pas tout de suite, tout de suite. Non, non, je déconne. Et on a une nouvelle quête. Un sage parmi les sages. Non, non, non. Entrant à la maison d'Elenald pour voir Ronald. Oui. Donc là, en fait, on fait les quêtes d'introduction aux Dofus primordiaux qu'on avait déjà faites, mais ils ont toutes remaniées avec la refonte de l'île de Pandala. D'accord. Remanier la formule. Ok. Dans Spider-Man 1. On parle à Guy Paul. Oups. Et on accepte le défi. Ah, c'est un combat. Oui. Eh bien, il est mort. Non, non, ça va, c'est bon, ça lag plus, là, d'un coup. Ah ouais, oh là là, quel plaisir. Ce jeu est incroyable, il est bien fait. Ah ça, il suffit de se plaindre. Oui, mais l'histoire de ma vie. Hein. C'est pour le fini. Et après, on parle à Elmeline. Elmeline. Woodline. Ok. Et on va au port de Madrestan. Mais non, il faut aller au port de Madrestan. Voyage. Voyage, voyage. Amakna, port de Madrestan. 280 Kama. Allez voir. Et là, on va. Pitani. On va. À Wabit. Non. Elle est bien bonne. Oh là là, mais qu'il est bête. Ah si, c'est rigolo. On refait. Les Wabits, c'est avec tous les labyrinthes cachés là. Oui, mais t'inquiète pas, on va pas aller bien loin. Ah. Aïe aïe aïe. Trouvez un sage Linald sur l'île de la Kawot. Je vous attends en 24-4. Moins 4 ? Ah pardon, faut aller. Avant, faut aller juste. En 23 moins 4. Oh non, faut vraiment aller dans les souterrains. C'est vrai ? Ouais. Lui parler de Ronald le sage Lénald ? Oui. Oui, Ronald McDonald. Retrouver le sage disparu dans les souterrains de Wabit. Bon, moi je vous attends à l'entrée du labyrinthe. Jake va juste à gauche. Une case à gauche ? Oui, oui. Une cellule à gauche. Tu parles à Ronald. Et tu lui parles de Ronald. Ok. La musique. Tu reviens à droite. Et on monte. On va à gauche. Et on fait suivre les déplacements, ça fait quoi ? On monte. Ça te montre sur la mini-carte où il est.
pensais que ça le suivait. Non, ça te monte juste sur la mini-carte. On monte encore. C'est un peu dur à coder le fait de suivre un personnage. On va à droite. C'est possible à coder, mais uniquement que quand le personnage a changé de carte. Du coup, il est toujours une carte à... Oui. En décalé. Attends, une petite pause dans le cheminement. Vous êtes en 24-8 là ? Oui. Oui. Ok, c'est bon, je vous ai retrouvé. On descend. Je trouve que quand tu mets la souris sur un des côtés, il devrait te mettre la localisation. On va dans le souterrain. Quand tu mets une flèche, il devrait mettre... Où est-ce que tu vas ? Il va y avoir un combat qui se fait seul. T'es où tu vas, Thomas ? Je sais pas, moi. Bah non, rejoindre le combat avec Yakipon. Tu peux le rejoindre. Sur le site, ils disent qu'il se fait seul. Bon, on va l'aider. Ah. Allez-y, lancez. D'accord. Mais il a bougé ? Ah, mais il est avec nous, ok. Il est bougé. T'as lancé le combat tout seul, Guillaume ? Mais en fait, j'avais cliqué avant dessus. J'avais pas vu que t'étais okay. En rejoindre. Quoi, c'est tout ? Pourquoi j'ai perdu ? Quoi ? Comment ça, t'es perdu ? Ben, j'ai tapé un ennemi il a tapé et il m'a fait des il fêtes. A tapé le pote. Il a tapé le pote en rouge. Me dis pas que t'as tapé Ronald. Il a tapé le renard en rouge. C'était une boule grise, j'étais en créature mini, là. Mais le rond, il était de quelle couleur ? Je sais pas. Putain, mais... Enfin, purée, mais... Ah ! Moi, je sais plus quoi dire, là. C'est pas drôle. Ah non, c'est sûr. Non, c'est très drôle. Enfin, c'est pas drôle, mais j'en rigole, mais en même temps, je me désespère, je me déprime. Il a tapé le seul type qu'il fallait pas taper. C'est quand même fou. C'est pas possible, quoi. Mais pourquoi rouge, c'est les alliés. Mais pourquoi on lui fait des dégâts ? C'est pas normal, là. Mais c'est parce que tu l'as touché. Bah imagine, tu tires une boule de feu sur un de tes alliés, il risque de cramer, il va pas dire non, je suis ami avec toi. Faut que je refaire ça, tout le chemin. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je peux pas me TP avec le cœur. Non, tu ne peux pas. Dans cette zone, tu peux pas. Purée. Hulé, on dit. Oui, sur l'île de Hobbit, on dit pulé. Alors attends, est-ce qu'il y a un zap à l'île de Hobbit là ? Oui, oui. Bon. Allez, go. Tu vas à droite, en haut, à droite, en haut, en haut, en haut. À non, gauche, à gauche, en bas. À gauche, en haut, à gauche, en haut, en haut. Puis à droite, puis tu descends, puis tu vas dans le souterrain et tu tapes pas le renard. Ouais. Parlez au maître du temple de votre divinité. Ah. Ah bon, pourquoi ? Bah je sais pas, c'est la nouvelle quête qui s'appelle Protection Divine, ouais. Ah d'accord. Faut que j'aille au temple au Samoda, sans déconner. Ça fait 20 ans et demi que j'y suis pas allé. Tu t'en sors pour le chemin ou tu veux de l'aide ? Attends, c'est principalement à gauche de l'île. En gros, tu vas en haut à gauche, le en plus haut, en haut, jusqu'au 24 moins... attends. Tu vas jusqu'en 23-8, en fait. Ok, j'y suis presque. Si tu montes jusqu'en 23-8, voilà, dès que t'es en 23-8, tu vas à droite. Bonjour. Puis tu descends. Là, c'est encore en haut. Parler au maître du temple. Hein. C'est quand même fou, je trouve, que sur les trois ennemis qu'il y a, ou les quatre, t'es choisi le bon, quoi. Mais oui, mais...
J'ai enlevé le mode créature, je pense. Ou alors tu t'as pas ce qui est rouge. Je vais t'aider. C'est tout. Faut que tu te le mettes dans la tête, t'as pas ce qui est rouge. Les tomates, par exemple. Oui, sinon, ça fait... Ça fait comment? Ah oui, quand même. C'est très, très impressionnant. Le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais. Ah, les deux idiots, quoi. J'ai pas de potion de... de divinité, de temple. Ça se vend bien, ça ? Je sais pas du tout. Je pense pas, pardon. Parce que j'ai commencé à récolter des... enfin, à accumuler des bouts de blocs, là. On sort de la grotte, Jake ? Blanc. On remonte. Enfin, on fait le chemin en inverse. Ah bah ça lag plus du tout là. Non, plus du ouais, tout. Ouais là c'est plutôt correct. Correct. C'est correct. Mais c'est qui mon maître de temple? Ah, c'est Zurg? Je crois que c'est Zurg, non? En effet, non. Non? Pas Zurg. Il est pas à côté de ton dépôt normalement? Non, il y a que le marchand. Mais c'est pas Brigitte Bardot-Pel, je crois. Hein. Oh, je me souviens pas. Mais faut pas prendre de suite la statue. Ah, moi, c'est dans la c'est la salle juste avant les Doppel. Ouais, mais pas moi. Tu cherches les Dofus et tu c'est penses que l'un d'entre eux est caché dans les ténèbres. C'est bon, Jake? Je mais crois punaise, qu'il y a une case cool, d'arrivée. Ouais. Ah. Je regarde. Parlez au maître des Doppel. De votre temple. Ah ben voilà. Oui mais là c'est la deuxième partie de la quête. Évoquer le voyage vers la forêt maléfique. Parler au maître des Doppel et évoquer le voyage vers la forêt maléfique. Ok d'accord. D'accord d'accord. Passer le test. Oui c'est un combat seul. Moi là, du on coup, va aller voir le chat rose c'est ça. Toi il faut que t'ailles en 1 moins 5. Le chat rose. Je sais plus comment il s'appelle. Ekaflip. Ah bah oui. Le chat rose que je vois, c'est le dieu Ekaflip. Oui, 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 oui. Mais là, non, tu dois pas encore aller voir le dieu. Hein, il faut que tu ailles voir celui qui te file la quête des Doppel dans ton temple. Oh, en plus, il est pénible en plus au temple de classe. 1-5. Ah bon? Ben. Parce que quand je dis il est pénible, c'est que je trouve que pour aller le chercher, c'est un peu pénible. Priez, allez à la bibliothèque d'Amakna. C'est parti. Passons le test. On va faire des tests. Élémentaire. Ouais, j'ai fait les deux châles. On a fait 0. J'en ai fait 1. Oui, ma statue. Oui, Yugi. Elle est là. Priez. Allez à la bibliothèque. Alors, j'ai interrompu mon voyage pour fouiller une poubelle vide. J'espère que t'es heureux. Il y a des maps, on les traverse pas souvent quand même. Hein. C'est-à-dire? Je sais pas, il y a des maps, j'ai l'impression que c'est la première fois que je les vois. C'est bon, Jay? Il est...
Il est fifou, lui, un peu. Là, je suis dans le tank, dans le temple Ekaflip. Oui. Faut chercher celui qui a le point d'exclamation bleu sur la tête. Hein. Je suis dans le tank, je vais en guerre. Faut que tu cherches un PNJ qui te dit. C'était les Doppels. Vous êtes sur le chemin de la forêt maléfique. Toi, c'est Ricard Doppel, je crois, non? Bah attends, avant de parler à lui, il faut parler à un autre. Ah non. Est-ce que le gars qui te propose la quête des Doppel te dit évoquer votre voyage vers la forêt maléfique? Ricard Doppel me dit combattre chaque Doppel, se renseigner sur les Doppel ou échanger des Doplons. Voilà, donc avant, il faut parler à un autre PNJ. Mais moi, j'ai pas eu besoin. Mais si, moi, oui. Si, si. Bon, je comprends plus. Peut-être, sûrement. Je vous crois. Faut que tu trouves un autre PNJ qui te dit dire que vous êtes sur le chemin de la forêt maléfique. Ah, donc c'était bien Zerg. Ok. D'accord, j'ai rien dit. Je suis perdu. Moi aussi. Normalement, il doit être dans la salle à l'entrée du temple, je crois. Oui. Ah oui. Ça marche, ça ? Phil Garfil. Oh, il ressemble à un personnage dans l'âge de glace, là, celui qui a la cicatrice et qui est un peu fou. Buck. Buck, voilà. On n'a pas lu le livre des Thors. Pourquoi tu parles de ça? Ah mince, c'était pas le bon dialogue. Yay. <Yeah. rire> C'est vrai qu'il faut parler après. Oh, c'est un petit chat. Hurler. Ah, il y a un livre. Ah, ça le prend pas en compte. Ok. Non, mais il va falloir retourner dans la forêt maléfique. Non, mais c'est pas possible. Allez-y. Mais il se moque de qui, ce jeu? Genre, sans déconner. Mais c'est juste parce qu'ils ont fait la refonte des quêtes. Mais sinon, normalement... C'est un peu pénible. Hein. Normalement, on n'aurait pas eu besoin de le refaire. C'est bon, t'as vaincu ton Doppel, Jake? C'est en cours, c'est en cours. Du bord de la forêt maléfique. Voilà. Maintenant, faut que tu trouves la statue de ton dieu pour prier devant la statue. Je parie tout ce que tu veux que c'est un chat. Il y en a partout des chats. Statue de classe. Voilà, prier. Prier. Oh, j'ai up. GG. Et la bénédiction des 12. Maintenant, normalement, tu dois aller à la bibliothèque. La bibliothèque. Et tu peux te téléporter sur moi si tu veux. Ouais. Même si je suis dans un bâtiment? Oui, oui. Oui. Voilà. C'est trop bien, ça. Tu rentres dans la bibliothèque. On va à l'étage. Et on parle à Wally. Lui, il s'appelle Aristote. Wally. Monocle. C'est quoi déjà la touche Alt, clic gauche pour déplacer? Non. La touche pour afficher les niveaux dans le truc des sorts là? Alt? Non, c'est la case tout en bas, je crois. T'as une case à cocher. Ah ouais, merci. Ça m'énerve. Faut lire le bouquin. Oui, t'as un livre dans tes objets de quête. Ah, je croyais que c'était cherché dans la bibliothèque. Non, non. Attaque, applique le masque hystérique. Et il faut se rendre à la forêt maléfique. C'est quoi comme ressource déjà qu'il faut pour... Pour rentrer ? Si tu parles au type, non, hein, il te demande pas d'objet. Ah, si, c'est un scalp de Bourg-Archer, pardon, voilà. J'ai rien dit. J'ai rien dit.
Quelqu'un les a achetés ou pas? Non, j'y vais. Ah non, moi je suis déjà dans le machin, j'en avais un sur moi et j'ai tracé. T'es sérieux? Ah oui, oui. Mais pourquoi t'en as pas? Je savais pas qu'il me demandait ça et... Sur le coup, j'étais dedans, j'ai fait « Ah, mince Alors, ça... !» Ah ben, j'en ai un aussi, donc c'est bon, je suis dedans. Ok. Je pense que la quête nous le donne, hein, sans déconner. Non, moi j'en ai pas. Bah, écoute, moi il m'a dit... Découvrir la carte clairière du Tarvlad. Alors, je ne connais pas. Moi, je connais. Chemin. À force. Jack, faut que t'ailles au zap au ré de la forme maléfique. Tu le connais, tu peux me le dire? Non, non, parce que j'attends tout le monde, sinon ça va, être le bordel. De tête, hein, tu me le dis. Et on va okay. En bas à gauche. Gauche, droite, gauche, gauche, droite. Au bas start. Au bas start. Hop, ça c'est pour rentrer dans le labyrinthe. Faut l'équiper ? Non, non, c'est juste une ressource. Tu parles à Lanceft de Troll. Demander à entrer. On va... C'est trop beau. Pourquoi c'est trop beau ? Non, rien, c'est un truc sur Twitter. En bas à gauche. À gauche. En bas. Je savais. C'est pas par là, toi. Oh. À gauche. En bas. En bas à gauche. Merde. À droite. En haut. C'est pas possible. Dis-toi qu'à chaque fois, faut prendre l'autre. À droite. Non, mais à droite, on peut pas. Bah, mais là, je suis sûr qu'il. En haut. À gauche. Mais non. Si. En haut à droite. Mais on revient là où on était. Oui, mais on pouvait pas, il y avait des rochers. À droite. À droite. Moi j'irai là. En bas à droite. Chut. Grosse blague ce truc. T'es sûr que c'est le chemin le plus court? En bas. Oui, c'est le chemin le plus court. Oui. En bas. À gauche. Ah, enfin une bonne solution. En bas. En bas où? En bas à droite. Okay. En bas. À gauche. À gauche.
Je vous attendais. C'est pour voir si vous étiez sûr de la victoire. À gauche. Il y a quelqu'un qui découvre le jeu. Enfin, c'est pas possible de faire ça. Bah, oh. Il faut faire des plans. Oh, le coffre malveillant. À gauche. Attends. Là, je suis sûr, c'est en haut. En haut. Il y avait trop de lumière. Ah bah non, c'est pareil. Il y a de la même lumière que partout. À gauche. En haut. Tintintintintintin. À gauche. C'est soirée là. Un. En haut. Et on y est. Ah. C'est la première fois qu'on le voit, non? C'est un bûcheron niveau 180 pour plus lent. C'est la première fois qu'on le voit? Le Dark Blade? Pas. Il va y avoir un combat qui se fait seul. Et du coup, c'est qui lui en fait? Le Dark Blade? Ouais. C'est Gultard. Et pourquoi? Parce que Gultard, il est immortel. Et donc, pour pas s'ennuyer dans sa longue vie, il a plusieurs personnalités. Et quand il, ah, je comprends. Quand il est en colère, il devient le Dark Vlad. Pourquoi il est en colère? Parce que... Il est perdu dans le labyrinthe. Non, parce que cet enfant est idiot. Tiens-toi droit. Il y a très longtemps, il y a des gens qui ont tué sa femme. Mais ça va, c'était il y a très longtemps. Oui, mais oh, il est toujours en colère. Demandez un bref instant pour refaire vos lacets. Bah. Il n'y a même pas Dark Vlad, c'est juste trois petites. Oh, t'inquiète, un jour quand t'auras le tuer, tu vas vite comprendre ta vie. T'inquiète pas, c'est pas fini. Tu vas vite comprendre ta vie ce jour-là. Alors faut faire des allers-retours en étant un dragon. Alors voilà, c'est pénible. Insupportable. Et vous avez un deuxième combat, c'est un combat à vagues. C'est-à-dire que quand vous avez tué tous les monstres, il y a d'autres monstres qui vont réapparaître. Sans ouais, pause. Avec plusieurs vagues, quoi. Je préfère préciser. J'ai fini. Essuyez votre arme sur la mousse desséchée. Qu'est-ce que je fais? Je vais tenter de survivre? Oui. Quand les monstres apparaissent, tant qu'ils n'ont pas joué, ils sont invulnérables. Ils sont immortels! Ah, ok. Oh, au-delà de ce que je vois. T'as combien de PM toi? Ok. Bon, combien il y a de vagues? Il y a combien de vagues, ouais? Il y a 4 vagues. 4 vagues! Il n'y aura pas la 5ème vague. On ne pourra pas en faire un film. Je suis assez déçu. Ah, oh, tu fais mal, toi. Du coup, ça sert à rien de les taper s'ils viennent d'apparaître. Oui. S'ils ont un petit icône vert au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils sont invulnérables. Ok. J'ai chié le châle. C'est pas grave. Non, je fais pas le châle. Ah, quel plaisir quand ça lag pas, ça. Ouais.
fini. Ah, vous m'attendiez, quoi. T'as fait les deux combats, Jake ? Mmh. C'est bon, Eric ? Oui, oui, j'ai fini. Okay. Quand il dit « Je t'ai dit de dégarpir, si tu insistes, je te renvoie d'où tu es venu », il faut dire insister ou s'en aller ? Insister. Il l'a renvoyé devant la forêt. Et on peut retourner au port de Madrestam. On l'a pas battu ? Non, on le bat. Non, apparemment, dans très longtemps. Ah d'accord. Ça va être tellement l'enfer. Je préfère vaincre le Dark Vlad ou alors les trucs dans la bibliothèque. Je préfère la bibliothèque. Ah ouais ? Ah oui, oui. Après le dragon, vu que je connaissais un peu, je m'y suis pas repris à beaucoup de fois, mais... Non, le pire, c'est Bolgrot. Je pense que le pire, c'est ça, en vrai. Ça, Echo, et Pandala 3. Ah non, non, Echo, mais... Oh, je me suis tellement arraché la tête. Mmh, et la pote de toxine au champignon. Oh là là. Ah oui, toxine. Oh là là. Mais pourquoi ils font des combats comme ça, ces idiots bêtes, là. Bon, on a fini la quête. En 10-5. Oui, c'est bon, tiens. Oui. On parle à Ronald. Et on a fini la quête. Mmh. L'équipement a déverrouillé le succès à Quadala. J'ai fait une erreur, d'accord. Alors... soit on retente de faire les yokai à la bibliothèque. Maintenant qu'on lag pas, pourquoi pas, hein. On peut. Mm. Bon, allez, on va faire ça. Allez. Courage. Courage à tous. Sauf à Louis. Ah. Parce que de toute façon, il va tous les éclater. Franchement, au troisième ou quatrième tour, j'aurais pu. Au premier, j'aurais dû le faire. Sans déconner, au premier. J'ai lagué, j'ai fait oh non. Non, il me manque un PM. Je mens. Moi, deuxième... je vais juste annoncer la discussion. Le deuxième, c'était un problème de je ne sais quoi. Et après, ouais, c'était le lag et c'était trop difficile. Mais là, quand je lag pas, je vais pouvoir bien poser bien poser mon truc où il faut. Dans mon flow. Ouais, je vais poser mon flow. Sans poser de questions, pardon. Pourquoi cette référence ? Parfois, faut pas comprendre ce que je dis. Et c'est parti. Oh, le show. Et c'est parti. Si le stade est chaud. Et c'est parti. Bouge-toi sur ce fleur. Gna 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 gna. Insupportable. J'aime vraiment beaucoup le design extérieur de la bibliothèque. T'as vu la fresque à l'entrée sur le mur de la bibliothèque ? À l'extérieur ? Oui. Ouais, elle est chouette. Tu l'as comprise ? Non. J'ai juste vu un truc joli, j'ai pas réfléchi, bah du coup j'irai voir après, ouais. Allez, venez tous, venez tous, venez tous. Petit. Quack. Oh, ça lag pas, c'est un plaisir ce jeu. Ah, tout à l'heure c'était vraiment l'enfer. Hein. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Comment je fais pour. Ah, oui, en effet, ça va plus vite. Largement. Gagné. T'es sérieux ? Tour 3. Bon, tu m'énerves. Mais alors, tu m'énerves tellement. T'es invivable comme garçon.
Bon, bien joué, mais t'es pénible. Ah, c'est pas ce soir-là, d'accord. Allons. Genre, j'ai des... j'ai utilisé le sort, mais ça a pas enlevé de PM. Mmh. Venez là voir. Ouais, venez. Venez là, pardon. Oh, c'est pas mal là, mais c'est dommage. Mais. Ouais. Tu peux utiliser plusieurs fois le sort de PM sur un mob. Sur un même ouais. Yokai, non, tu peux pas. Ah, j'aurais bien aimé savoir ça. Mais ils s'éparpillent tous. Ouais, au début ça peut être un peu long. Parce qu'ils s'éparpillent. Oh. Mais plus tu vas leur retirer de PM, moins ils vont s'éparpiller. Oh, j'y vois rien avec les états. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Allez-y, rapprochez-vous. Venez, venez. Oh, y en a, il part toujours loin là. Il m'énerve. Mais quel combat alors? Je suis mi-vie, je vais jamais tenir. Ça m'énerve. Oups. Tu appuies, ça fait quoi? Il perd rien. Pour attendre. Ah. Je ne sais pas à quoi sert mon masque, mais... Bon, bah je vais mourir. Ah. J'y arrive pas. Tout à l'heure c'était très bien et là ils partent trop loin. Peut-être parce qu'ils ont le temps de bouger cette fois-ci. Ouais, ça doit être ça. C'est très 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 difficile. Hein. Je sais pas si j'y arrive. J'essaie de les placer avec mes bouffetous, tout ça, mais là j'avoue j'ai du mal. Hein. Mm. Et surtout pour me soigner, quoi. Quel enfer. Pardon, le chat, excusez-nous. On est hyper concentré sur un truc qui est bizarre dans le jeu. Genre des klaxons. bonjour, The Big Mac 34. Non, c'est pas un vent. Non, c'est aucun. Non. On essaye d'être concentré. Pardon. Et bon, ah bah, du monde qui arrive, disons. Et bonsoir à Lou Ken qui vient d'arriver. Ça manque de kawatts sur cette map. Ah, moi j'en ai mis. Je suis obligé de survivre au bout d'un moment. Ah le retour du sablier, ouais. Ah ouais. Ouais. Alors, tu es quel serveur? Alors nous sommes 4 et nous sommes sur Elisael. C'est le serveur celui qui est le plus fiable en ce moment. Celui qui lag le plus. Hein. Vous pouvez faire un truc ou pas? Parce que là. Non, là je peux toujours rien faire. C'est. Ouais. C'est le sablier. Il y a 1000 personnes qui sont connectées d'un coup là. Ouf. Je peux même pas quitter le mode spectateur. Hein? Ah, mais là on peut rien faire du tout. On est en train de se faire des DOS. Ah, c'est bon. Ah, ah oui, en effet. Il a pas accepté le fait que je mette ma kawette. Allez, c'est reparti pour le lag.
Mais... Non, ça va, ça va, ça va. Ah, moi, c'est l'enfer, elle. Les invoques, ça passe pas. C'est pénible. Non, mais pourquoi il a fallu que tu... Non, mais il s'en va à l'autre bout de la map, c'est trop pénible. Punaise, mais tout à l'heure, il me faisait pas ça, hein. Aïe, aïe, aïe. T'as beau leur enlever des PM, ils s'en fichent. C'est hyper... Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont tous 10 000 PM, là. Qu'est-ce qu'ils ont tous 10 000. Bah, déjà, de base, ils en ont beaucoup. Je crois qu'ils en ont 12 bises. Bise, ils en ont 10. Non, il n'y a pas 30 PM, lui. Non. Non, 8. 8, 6. Ouais, 8, j'essaie 7, de placer, mais 4. J'y arrive pas. On peut leur mettre moins 1 PM. T'as une question, Jay. Est-ce qu'on est hype par Temporis 5? Je ne suis pas concerné, du coup, mes camarades, êtes-vous hype par Temporis 5? On s'est préinscrit. Au taquet. On s'est préinscrit, oui. On s'est préinscrit, ouais. Il m'a manqué un. Il m'a manqué un. Comment vous faites pour... Pour qu'ils soient tous au même endroit? Moi, j'ai... Eh ben, moi, je les place avec mes invokes. C'est la seule façon que j'ai trouvé, mon pauvre. Oh. Et encore, oh, quand ils veulent. Oh. T'as fini? Non. Dommage. Moi, il m'a manqué un sur ce tour-là. Je suis très déçu. Mais en fait, je peux pas échanger de place avec la carotte. La configuration qu'ils ont là, j'aurais pu faire un truc. Ah purée. Comme tu dis. Une ah là j'en ai 3 qui sont collés à moi, si seulement ils pouvaient venir tous. Non, il y en a un qui est parti à l'autre bout de la map. Ouais, il est pénible lui. Je le déteste. Mais quel combat, aïe aïe aïe. De base, ils ont combien de points de déplacement? Ils 8. En ont 10 ou 11, non? Ah bon? Il y en a un, je crois qu'il y en a moins que... Ah non, pas autant pour moi. Mais tu penses qu'un simple tofu, ça peut les tacler? Vas-y, transpo. Ah. Ah, ouais, j'aurais pu, je pense. Ouais, en fait, je dis toujours ça, mais c'est pas possible parce que quand tu utilises le sort, ça t'enlève des PM. Ça dépend sur lesquels. Je suis pas sûr de passer le prochain tour. Hein. Ah, tu peux en toucher 4. Oh, j'en ai 4, je suis tellement déçu. Tu peux en toucher d'autres là, Jake, non? Non. Ah, t'as plus de PM, la flûte. Non, rien du tout. En fait, c'est le Hilar là qui a 10 000 PM. Ça rend beaucoup 10 000 quand même. Oh, bouge plus, bougez pas. Ouais, mais non, ça, c'est le stress. Tu dis, ah, ils vont pas bouger. Et ils bougent. Et là, tu fais, eh, non, dommage. Comment je fais pour me heal? Toi. Bien sûr, non, non là, tu peux toucher les 4 là. Si je me mets là. 1, 2. Le mec il a moins 1 PM à vie, c'est bon. La flûte. 3, je sais pas, bah c'est fini. T'es handicapé. Ok. Ah, attends. C'est bon, c'est fini quand même. Oh, je pense avoir fini sur ce tour là. Oh. Oh, t'es pas mort. Il veut... J'ai fini. Non. C'est vrai, t'as gagné? Je pense, oui. Attention, le dernier. J'ai eu la chance du débutant.
J'ai tellement de misère que ton fauteuil roulant aura besoin d'un fauteuil roulant. Quoi? Taratatata. Il est facile ce combat en fait. 0 DS. Si. Non. Oh, oh. Non, dommage. Ouais. Mais ils gagnent des PM ou pas? Non, normalement ils ont. Aïe. Mais il y en avait un qui était à moins 1, je comprends pas pourquoi maintenant il l'est plus. Vas-y, il attend touche 3. Reste là. Ouais. Oh non, on va falloir monter le forgeur de bouclier. Non mais ça on le fera plus tard. Niveau combien? Oh là là, mais ce jeu. Niveau combien? Pas beaucoup, niveau 10 je crois. Ah, c'est pas ça. Façonneur de bouclier. C'est mon métier. Ah purée. Sur J comme Job. Forge mage? Non, façonneur de bouclier. Façonneur. Façonneur qui nous rend. À l'aide. Je crois que je me suis piégé. Ouais, il te bloque là, le hilar. Hein. Ouais. Mais reviens là sur la case où t'étais. Fais libération. Voilà. Je suis trop con. Reste là par contre. Non, après. Ouais. Ah, bon, bah j'ai fait une bêtise alors. Ouais, parce que t'as besoin de soins là. Ouais. Je crois que j'aurais pu terminer. C'est dommage. Je vais me mettre là. Lui, il reste là. Parce qu'ils vont se rapprocher de toi là. Alors, toi, tu. Je reviens à côté de la carotte de gauche. Reste là. Ne bouge pas, ok, je bouge. Toi, ah oui, c'est bon, je la vois, je la voyais pas, celle de droite. Encore un truc là. C'est une énigme, c'est vraiment une énigme. Oui, pourquoi? Est-ce que je peux aller toucher peut-être le hilar là-haut là? Ouais, mais tu seras plus dans le guise de la kawatt. Non, reste là. Ne bouge pas. Bon. Oh là là, cette TP qu'il a fait. Mon masque. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bon. Attends. Mais ils veulent pas bouger les deux autres là-haut là. Mais attends. Il faut qu'il va bouge. Ici. Ouais. Vas-y. Fais libération. Et fonce vers eux. Non, c'est ça. Retourne là. Ouais. Reste là. N'oublie pas de faire le sort, ça leur vire au moins des PM. Voilà. Au moins, eux, ils bougeront plus. Ok, passe ton tour. Pourquoi on n'a pas mis le dos coco? On est bête ou... Genre vraiment, on est bête. Hein. Le dos coco. Ah, le dos coco, en fait, tous les 4 tours, ils te soignent de 10%, un truc du genre. Oh, c'est intéressant. Ouais, ce qui est plutôt cool pour ce genre de combat. Ok, reste là. J'ai pas pensé. Non mais... Pourquoi? Je t'ai vite dit de rester en bas. J'ai mis une carotte. Oh oh. Ah purée. Il risque de s'enfuir. Ah. Je t'avais dit de rester en bas, putain. Pardon. Bon bah attends. Va ici. Là qui? Ici, là, tu m'as dit. Oui, fais libération. Thomas, tu t'en sors ou pas? J'essaye. Ok. Va là. Lance le sort sur celui du fond. Hein. Voilà.
Non, reste. Non, il me manque un PA. Ah, c'est dommage ça. Reste là. Voilà, fais contre-coup. Mm-hmm. Mais non. Ok. Fais le sort sur celui devant toi. Il me manque un PM. Fais le sort sur celui devant toi. T'es presque. Si commence à te manquer un truc, t'es presque. Ah, pourquoi je peux plus? Mais... Va ici. Attends, fais le sort sur celui qui est à côté de toi. Va ici. Ah si, c'est bon. Et fais le sort sur les deux autres. Faut passer son tour pour que ça fonctionne. J'étais là, mais j'ai voilà, manqué qui? Voilà, c'est bon, t'as gagné. Oh, vous avez fini bordel. En même temps, vous êtes trop fort. 31 tours, quoi. Moi, ah, je regardais, mis, moi. J'avais mis 90, un truc du genre, avec la technique arbre. Maintenant, tu descends et tu parles à Narber. Bon, qu'est-ce que là, cette fresque? J'ai compris. C'est drôle, hein. C'est deux pandas qui tombent amoureux et ils ont beaucoup d'enfants. Oui. Oui. T'as vu la cinquième image? Ils ont beaucoup d'enfants. Non, ça c'est la huitième. 1, 2, 3, 4, 5. Ils s'aiment beaucoup? Non. Ça c'est la quatrième. Il y a un filtre. D'accord, ils s'aiment beaucoup. Zoom. Arrêtez. Attends, il y a un truc derrière le cœur? Oui. Oui. Ne te mets pas devant. Oh bordel, d'accord, ok. Je confirme le titre du stream de ce soir. On peut aller... Un jeu pas pour les enfants. Au palais du monde. C'est à côté, ça. C'est ça. En haut à... droite. En haut à... Oh. T'es allé voir Demia, Eric? Oui. On parle à Samurai Oli. Ah. Dans le bâtiment. Il faut d'abord parler à PNJ qui est en plein milieu. Pandarin Sudopong. Samurai Oli, Samurai Big Flo. Non. Entrer dans la salle. Oh, c'est qui? Demia Ikumi. C'est qui? Qui ça? Mais Demia Ikumi. Mais c'est la chef du village de Pandala. D'accord. Ok. Alors normalement, vous avez dû mettre à jour la quête à la croisée des mondes et la quête quelque chose de pourri au royaume d'Amakna. Alors. Oui. Attends, quelque chose de pourri, j'aimerais bien. Quelque chose de pourri. Hop, c'est bon. Oui. C'est bon, tout le monde a mis les deux quêtes à jour. Oui. Attends, du coup, je lui dis quoi? De quoi tu lui dis quoi? Bah, Demia Ikumi. Bah, si t'as mis les deux quêtes à jour, c'est bon. Ah, non, j'ai pas mis à jour. J'ai trois choix. Trois choix s'offrent à toi. Bah, prends celui que tu veux. Ok, génial. Elle m'a expulsé. Mais s'incliner. C'est vrai que lire, c'était trop dur, quoi. Non, mais sans déconner. Constatant votre entorse au protocole, les samouraïs vous expulsent. C'est vrai? Oui. Ouais, je me suis fait raccompagner à l'entrée de Pandala. T'es sérieux? Ah, mais j'ai envie de dire. D'un côté, j'ai envie de dire, tant pis pour toi. Lis, quoi. C'est la reine de Pandala, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui mets une tarte, non, mais sans déconner. J'ai juste dit,
dire que vous voulez parler de Grand Dapan. Au Grand Dapan. Est-ce que t'as quoi comme proposition? L'interroger à propos de Lady de Vell. Oui, vas-y. Dire que vous voulez parler au Grand Dapan et s'incliner. Ouais, c'est le premier et le troisième. Ouais, bah j'ai fait le deuxième. Comme dans le labyrinthe, quoi, tu prends à chaque fois celui qui va bas. Allez voir Maître Kotama. Ah, il est là. Allez voir Phalanster et Maître Quatembe. On va d'abord voir Maître Quatembe. En 20-31. Dire que Daemonia vous voit passer l'épreuve. Oui. Ah, c'est le façonneur. Et ça, on le fera plus tard. On va voir Phalanster. Donc on peut mettre cette quête de côté. Quelque chose de pourri. Oui, on va aller voir Phalanster. C'est au village ou d'Amakna, ça? C'est Astrub. Raté. La croisée des mondes dans la Méapa. Oui. Mais là, mais quel imbécile. La Strub en haut à gauche. Vous entrez dans la. Bon, sinon, Loulou, on en parle de la nouvelle tenue Ekaflip. Super jolie. La nouvelle tenue. Qu'ils ont mis en vente là dernièrement. Leur pack avec le chapeau et le bouclier jetant. Ah. On en parle ou pas? Je l'ai pas acheté. J'hésite un peu quand même. Hein. Moi, ce que je collectionne, c'est les émotes. Donc quand il n'y a pas d'émotes, je ah, d'accord. Parce qu'elle est vraiment jolie, je trouve. Oui, c'est vrai, après, elle est jolie. Là, quand même. Casino, là. Trop cool. Bref, où allons-nous? Nous, on est à Astrub. On parle à Phalanster. C'est bon? Mais il est où, Phalanster? Il est en haut de la Tour tu du Conseil. Dans la Tour du Conseil, tu prends l'escalier. Mais c'est pour quelle quête, ça? Quelque chose de pourri au royaume d'Amakna. Ah! Je ne l'ai pas activé. Mais j'y vais quand même. Enfin, je l'ai pas activé, je l'ai pas dans mon suivi de quête, nuance. Et ensuite, il faut parler à Al-Hans, qui est. Oula! D'accord. Oula, oui! Sifokia. Il faut aller à Sifokia. C'est quel zap Sifokia. B de Sifokia. On prend le zappi. Pour aller au quai des gelées. Et ensuite, on va en 16-29. Ah, je l'avais jamais trop écouté, la musique de ce Fouquet, elle est pas mal. Oh, il y a encore Loi avec les pattes en l'air. Qui est en train de faire la planche, n'est-ce pas? Oui. Le zappi, vous aviez dit. C'est le petit bateau bleu. B dégelé. Oui. B dégelé. Quai dégelé. B dégelé. Quai dégelé. Truc dégelé. Gelé. Les. Et après, okay. Tu vas en 16-29. Et ça bug parce qu'il y a trop de monde.
Mais qu'est-ce qu'ils font tous là, ces idiots bêtes? C'est vrai, il y a du monde. Mais qu'est-ce qu'ils font tous là, ces idiots bêtes? Où ça? Au temple? Mais, incroyable. Oh non, pas la marionnette. Non. La première fois que j'étais venu, ça m'avait tellement fait peur, genre, mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi ce monde? Alors, on prend le bateau, Jake. Le bateau avec le symbole de Charmed. Quoi? Mais on pouvait pas directement venir à ce Zap-là? Mais tu l'avais en mémoire? Oui. Il m'a pas dit que, en tout cas, je venais de mémoriser un autre Zap. Ouf, c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a beaucoup trop de monde. Tu parles à Al Hans. Alors, quand je apercevrai du monde. Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la Mengis Party. Ah ouais, j'ai jamais vu autant de personnages sur une map, enfin, une case, ou je sais pas, comment on appelle ça. Toi, t'as pas connu Astrup dans ses beaux jours. Aïe aïe! Cliquez sur le siège. N'importe après... lequel? Non, sur le siège là où on est. Il y a un écrou. En touchant le symbole visible sur le dossier de la chaise, vous êtes pris un violent mal au crâne. Mal de crâne. Et après, on clique sur la marionnette. Non! On touche le symbole. Donnez un coup de pied. Et on attaque recule. La marionnette. Attends. C'est solo? Oui. Non. Ah bon? Moi, je pouvais rejoindre. Ah d'accord, je savais pas. Moi, j'ai pas envie de jouer avec vous. Ah, elle a quand même 2500 PV. Niveau 100. Et elle fait que se transposer, c'est pénible. Bah, j'ai pas pu la toucher sur 3 tours. Ah oui, quand même. Ah! Ouais, elle voulait pas. Mais j'étais derrière un mur, c'était pas évident. Elle attaque? Oui, elle attaque. Ah ouais. Elle est nulle! Elle est nulle. J'ai déjà tué. Bravo. Et on drop une tête de marionnette. En effet. Ouais. Et on peut aller retourner voir le capitaine Amakna au village. Pourquoi je suis sorti? Pourquoi? Qu'est-ce que je viens de faire là? Amakna. J'aimerais tellement faire un screen de ça. Mais tu peux, hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai jamais vu autant de monde, ça me surprend, c'est tout. D'accord. De temps en temps, je vois des trucs sur un jeu, je screen, voilà. C'est juste, voilà. Et quand il y aura une ouverture du crâne à mort géant, tu viendras. Oh là là. Ouais, ça me va. Mais spécifiquement, pourquoi il y a autant de monde là, maintenant? Vraiment là? Je sais pas. Oh non, pas de ramac. Est-ce que c'est la map où on peut créer des alliances? Oh non. Pas de ramac. Oh non! Montrer au capitaine la tête de la marionnette. Non! C'est quoi déjà Dramac? Je connais ce nom, mais. Putain. Le donjon des pantins. Je connais pas. Mais on fera cette quête plus tard. Hein. Ouais! C'est fou le nombre de quêtes qu'on fera plus tard. Oui. Parce que là, on fait plein de quêtes et après, on fera plein de donjons. Plein. C'est fou le nombre de quêtes qu'il y a dans le jeu. C'est fou le nombre de quêtes qui ne sont pas possibles de faire tout seul dans le jeu.
Aïe, aïe, aïe. Alors, maintenant... Moi, j'ai une quête d'alignement, là. Ah bon? Qui te demande de faire quoi? Enquêter à l'est de la taverne de la Bagrute. Ça, on le fera plus tard. Donc, maintenant... Nous allons partir dans les landes de Sidimut. Oula! C'est prévu, ça? Oui. Un zap en particulier? Quête. Lande de Sidimut. Je regarde où on s'était arrêté. Ah, peut-être que le début de la quête n'est pas dans les landes. On va ah, mais il y a du monde aussi à la lande de Sidimut. Hein. Ah. Oh là là! Bon, moins qu'au temple, mais il y a du monde. Le Mordor. On va faire la quête, mais... le Mordor. C'est quelle? C'est terre désacrée ou... Non, attends, c'est comment ça se prend? Désacrée ou route des roulottes? Route des roulottes. Ok. Je crois que j'ai une absence, je vous l'avais dit, mais... Non, attends. Non. Ah ouais? T'as ce monde? Oh, une... Ah oui, mais il se passe dans le jeu. Est-ce que c'est une mine? Oui, un passage. C'est un passage. C'est un passage. Oh. Oui, Macna, je pense qu'ils vont faire du Avera, parce que c'est la même alliance. Ah ouais. C'est quelle quête là? J'ai oublié. Il y a un mec qui s'appelle Thanos. Merci. C'est dans quelle catégorie là? Sidimut. Ok. Mais je l'ai pas. Mais justement, on va. Non, on l'a pas lancé. On l'a pas lancé. D'accord, c'est peut-être pour ça. La quête se lance en moins 33-33, c'est où ça? Ah bah c'est côté Brakmar. Moins 33. Allez, TP Brakmar. Hein, c'est loin. Ouais. Vous m'en voulez pas, je vais à Brak. Brakmar. Elle est un peu loin. Ouais. Moins. C'est quoi ça? Oh mon dieu! Xanthos 29 lance un raid avec 4 humanoïdes. Merci beaucoup, Xanthos, c'est très très gentil de ta part. Et vu que t'es en train d'apparaître, Xanthos, je l'ai vu hors ligne. Enfin, j'ai vu que ça a été fait en off. Du coup, juste parce que t'es là, je mets l'alerte de ce que t'as fait en off. Voilà. C'est pas celle-là, c'était l'autre. Excusez-moi. Celle-là. Bonsoir, Emix. Bonsoir, Kerweran. Bonsoir, Emix. Bonsoir aux gens qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir, le gang de Kotraf. Nous sommes sur Dofus. Comme d'habitude, je tape les alliés parce que je comprends pas le rouge et le bleu. Je dois être, comment on dit? Je dois être daltonien. Daltonien. Alors, vous avez dit moins 33, 33. 3. Moins 33, 33. C'est facile à retenir en plus. Ouais. J'ai passé en moins 33, 33. Le gang de Kotraf, Xanthos, Kerwera, Nemix et Apocryph, vous connaissez Dofus ou pas du tout? Moi je connais. Ah mais elle est longue la route, même depuis le zap de Brakmar. Mais téléporte-toi sur moi si tu veux. Ouais, je vais faire ça. La facilité. Je connais de nom, mais j'avoue que j'ai jamais joué. Oui, jusqu'à un certain point. Ah, ça veut dire quoi ça, Emix? Faut leur demander s'ils sont au courant que les alliés sont en rouge et les ennemis sont en bleu. Oui. Il faut vraiment faire attention à ce que tu fais. Exactement. Pour vous, dans un jeu, quand vous voyez quelque chose en rouge, quelque chose en bleu ou en vert, qui vous tapez par réflexe? Quelle couleur? Celui que le tuto t'a dit de taper.
Parce que t'as suivi le tuto. Après, je vais pas dire, mais on est deux rouges alors que les fantômes ils sont bleus. Hein. Ça n'a aucun rapport. Je suis apparu en moins de 33-33 et j'ai parlé au prêtre fantomatique. Voilà. Je connais juste la vraie prononciation du jeu. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'on dit pas Dofus, c'est vrai, vous avez raison. On dit Dofus. Faut aller tout là-bas ? Faut aller à l'autre bout de Brakmar, ouais. Non. Il y a un zap. Terre des sacrés, c'est ça ? Ça troll sur le chat. Je tape ce qui n'est pas de la couleur de mes alliés. Vous avez, en même temps, je ne peux que vous donner raison et me mettre en tort. En plus, je t'avais expliqué pourquoi nous on était en rouge. C'est vrai. Mais j'ai oublié. Mais bravo. Parce qu'en rouge, c'est les attaquants. Voilà. Même moi, j'ai. Et parce qu'on attaque la nature. Alors, sauf que quand on se fait aggro, l'inverse n'est pas vrai. C'est vrai. C'est trop loin pour moi, Louis, du coup, je ne peux pas me TP sur. Ah. C'est possible ? Oui, bah oui, oui, à partir d'une certaine distance. Sinon, c'est un peu trop cheaté. Mais prends le zap de la Terre Sacrée, non ? Ouais. Ah. Par contre, active le. Active le. Comment ça s'appelle ? Le truc automatique parce que ça aggro. Enfin, il y a des yeux en tout cas. D'accord, ok. Ça parle pour vous, là, les copains dans le chat. C'est des infos pour. Enfin, des infos. C'est de la discussion pour vous. Moi, je comprends pas trop de quoi ça parle. Ah, j'ai pas vu. Ça parle d'une extension. Où est-ce que je peux voir le chat, moi ? À droite. Je te lis. Ouais, je te lis ce qui est écrit sinon. Alors, c'est Kerry Warren qui dit. J'ai aussi entendu parler d'un concept ou d'une extension qui arrive prochainement et qui semble particulièrement intéressant, avec une gestion de recettes où je ne sais pas trop. Une gestion de recettes, ça me dit rien, ça. C'est Temporis. C'est Temporis. Ah oui, ça, c'est Temporis. Va falloir faire des combinaisons de cartes pour faire des crafts et peut-être d'autres choses, même on ne sait pas encore. On en sait malheureusement que trop peu. Mais c'est vrai que sur le papier, ça donne sacrément envie. Mais ça change tout le concept du jeu. Ça change tout le concept du jeu normalement. En fait, pour gagner un niveau, il faudra pas gagner. Tu gagneras pas de l'expérience en combattant des monstres. Tu vas dropper des cartes sur des monstres. Et avec ces cartes, tu pourras gagner des niveaux. D'accord. C'est bien. Ça a l'air chouette. On sait pas, on n'a pas encore testé. Ça ouvre dans 2 semaines, je crois. Ça a l'air très chouette, dit comme ça. Ils veulent absolument mettre un système de deck, hein. J'espère qu'ils vont pas faire ça. Parce que même dans Wakfu, ils ont mis ça. Ce n'est pas la fête du slip ici. Alors mec, il y a de mise à jour. Il n'y a plus de farm d'XP, ni d'item, mais du farm de cartes pour crafter. D'accord, ok. Vaincre les troubles faits chauffeurs. Est-ce que tout le monde doit vaincre les troubles faits de Schaffer ? Oui. En L ! C'est un combat qui se fait à plusieurs. Formation tortue. Du coup, les recettes seront secrètes et ce sera du partage de connaissances c'est au ça. Sein d'un serveur. C'est ça. Wow, ah ouais, d'accord. Mais ça va être hyper dur. Oui. Oui. On est au courant. Oui, parce que pareil, on pourra pas fabriquer les équipements. Ouais. Pareil, les équipements s'obtiendront de manière aléatoire en fonction des cartes qu'on droppera sur les monstres. D'accord. Et ben dis donc. On n'a pas fini, oui. Attends, il faut battre Trouble Fête d'élite ou Légionnaire Fantomatique ? Tous. Pourquoi ? Ah non, Tous, il faut tous les buter. Quelqu'un peut lancer le combat, si vous voulez.
Allez, vas-y. Je sais pas avec qui, vas-y, mais vas-y. Jake, vas-y, tape. Bon, c'est bon, j'ai lancé. Allez. Si je le tape, je vais me tromper. Je sais pas. Noob. Ouais. Quoi? J'ai l'impression qu'il est petit, l'équipement. Ah bon? Baston, ouais, c'est le moment de la baston. La bagarre! Vous êtes un peu haut, messieurs, là. J'adore jouer dernier. J'ai rien à faire. Eh bien, je l'ai fait une deuxième fois. Voilà. Caruiran qui met entre guillemets, moi j'aime bien la bagarre. Merci pour ce petit apo là. Puis... Y'a peau de quoi? Là j'ai mal par contre. Là j'ai très mal. Mais qu'il est bête ce gosse, tiens-toi droit. Non, je suis pleutre. Du jus. Ah mince, mais ils sont déjà morts, mais ils sont nuls. Oui, 650 de vie. Non, mais j'arrive toujours à la fin. Je ramasse les miettes. Je suis un... ramasse-miettes. Et Macarena, c'est chiant. Bibi. J'adore ce bruit. Moi je préfère. Mip-mip. Les klaxons. Non, c'est les pioux. Ah oui. J'ai tellement pensé à toi, Majiro. Oh là là. Hier, j'ai un peu ouvert ma fenêtre et sur mon balcon, une tourterelle. Je lui ai hurlé dessus. Je déteste. Je lui ai dit, va-t'en. Et elle s'est barrée et donc, oui, elle a fait. Elle est allée sur le poteau électrique en face et elle a commencé. Insupportable, je les déteste tellement. Mais quel enfer cet oiseau de malheur! Hein. Se rendre à la milice de Brakmar. Faudrait peut-être que j'achète des poissons de Brakmar. Moi je cours très vite à d'autres voltocornes. Alors, pour ceux qui suivent un peu le stream, la quête s'appelle le Mort d'Or. Référence au Seigneur des Anneaux, bien sûr. Référence à Harry Potter. Référence à Oui Oui et le Pays Magique. Avec Brigitte le Cordier. Ah, boum boum. Dans la milice, faut aller dans les souterrains. La milice, c'est Mickey. La tour de Brakmar. Non, t'y es là. Ah, c'est ça. T'y es. Oh là là. Et massacre. Patate. Vite. On ramasse les patates. Non. On peut le faire. Est-ce qu'on peut le faire? Faire quoi? De quoi? Oh, s'il te plaît, on peut bloquer quelqu'un dans une géole, s'il te plaît, on fait ça. Allez, s'il te plaît, j'ai passé 2 heures. Parce que je voulais des patates. Allez, allez, que quelqu'un se bloque dans une... Non, le faites pas vraiment, c'est long après. Comment tu fais pour enfermer? Si tu fais rien pour enfermer, si tu vas dedans, c'est mort. Genre, non. C'est tellement tentant.
Oui, j'avoue, hein. Moi j'ai dit oh super, des pommes de terre, et puis après la porte elle s'est refermée sur moi et j'ai pleuré. Mais si tu viens juste de l'ouvrir, c'est bon, non? Non, non, elle se referme dès que tu rentres. Ah! Oui, oui, j'étais pas très heureux. Hein. T'es où, Yaki? Eh bien, j'arrive à peine à Braquemar. Ah, d'accord. Il a tout fait à pâte. Oui, j'ai tout fait à pâte. À pâte, hâte. À pâte, hâte. Préparer l'évasion. Ramener une bière. It's a trap. À flûte, faut acheter une bière. Bon, je vais les chercher. Ok, d'accord. Je viens d'arriver. Non, je vais les chercher, c'est bon. Ok, je viens d'arriver. Le geôlier, il est où? Ah, il est derrière. Oh mon dieu, mais il est devant moi. Et là, par exemple, si je vais dedans, que je ramasse des patates et que quelqu'un va sur le truc. Non, non, c'est fini. Je crois qu'il faut que ça soit un mec de Braquemar ou quoi que ce soit qui t'ouvre. Et en vu plus, qu'on est tous les quatre, pas de Braquemar, donc. Mais tu peux utiliser une potion de rappel, un truc? Ah non, non, rien. Tu peux rien faire. Même pas le havresac? Non, rien du tout. Tu peux juste attendre. Je crois que c'est 30 minutes ou 20 minutes. Oh genre. Ah ouais. Et c'est immense, 30 minutes dans un jeu. Oui, bah, mais t'en fais des patates grâce à ça. Si tu décores quoi? Ah, ça fait rien, t'es bloqué là, c'est tout, point. Arrêtez de vouloir casser le jeu, c'est comme ça. Tout ce que j'ai à dire. C'est... Oh non. Fait limite péfoireux, c'est genre pute. Il y a Kare Oran qui dit « Je suis le seul à être choqué par le nom Braquemar, entre guillemets. » En ça fait, on a tellement vu... Jeu, toi. Ouais. On a tellement vu, en vrai, ça me choque même plus. Mais tu serais, venu quelques minutes avant, là où on est à l'île de Pandala. J'avais dit, il y avait une fresque sur une bibliothèque, elle est vraiment belle. Et en fait, il y a les copains, ils ont dit « Non, mais regarde-la bien, regarde-la bien !» Et en fait, en la regardant bien, je fais « Ah ouais, en fait, elle est un peu moins belle. » Merci. Quoi, tu veux parler à un tonneau? Je parle pas, je pose une pierre dessus. Il y avait quoi Proposer de prendre la relève? Oui. Ça appartient pas à la milice, à ce que je sache. Ah, non, pardon. C'est pas ça. Prétendre le signalement d'un commando bontarien. Mais le geôlier, enfin, nous on a fait allégeance entre guillemets à Bonta. Pourquoi il nous dit rien en fait? Je sais pas. Si tu lui dis pas. D'accord. Ça se voit pas forcément sur nous. Ça se voyait au début du jeu. D'accord. Il y a très longtemps, ça se voyait, t'étais obligé dans une faction ennemie de déployer tes ailes, entre guillemets, et le mode PVP était forcément activé, sauf que ça plaisait à personne. D'accord. Et donc, faire des quêtes dans... en sachant que tu pouvais te faire exploser par n'importe qui, c'était un peu pénible. D'accord. Je milite pour les droits des chasseurs. Pourquoi t'as un tonneau, Thomas? Pourquoi pas? Il est où le mécanisme? Ah oui, c'est la pompe. La pompe? Je suis sûr que vous ne faites plus la quête en fait. Suggérer de se calmer. Karl Groucho, ça me dit quelque chose ce nom. Ah, il est à côté. Je vais être bref. Au milieu du 6e siècle, Non, oh là, j'ai failli cliquer sur la grille. Vous avez obtenu 5 reliques familiales. Quête terminée, quête acceptée, quête mise à jour, faire le mort. Allez voir Clictus. Ou Clictus, puisqu'on dit Dofus. C'est vrai, t'as raison. Pour revenir en arrière dans le bâtiment, c'est ça? Oui. Dans la ville.
Ouais, avant je vais aller chercher quelques ressources. On se donne rendez-vous dans 10 ans. Les alchimistes. Où ça, Brekmar ? Oui, oui. Tu vas rouler jusque là-bas ? Et où ? Majiro. De quoi ? Atelier des alchimistes ? Bah oui, vu que t'as un tonneau, tu vas y rouler là-bas. Non, mais je suis plus un tonneau là. À chaque fois, dès que je bouge, ça s'enlève. Et c'était ma dernière potion. Dernière potion. Je ne sais pas où c'est l'atelier. Et le rideau sur l'écran est tombé. Prends le zapier. Banque. Ah ouais. Banque. Oui, il y a un peu de monde. Bye bye. Faut donner 5 anas au vagabond. Quoi ? Oh, tu veux parler au vagabond ? Numéro que je mets. Et mieux t'as pas rendu. Non, je commence à danser. Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi j'ai rendu. Mais... Tel de vente. Ressources. Ça faisait longtemps, dis donc. Y'a un mec qui combat un trésor niveau 180. Oui, c'est normal. C'était... Les chasses au trésor. Chasse au trésor ? Ouais. Tu pouvais pas le rejoindre ? Non, c'est tout seul. Oh. Oh, c'est dommage. Tu veux des pommes de terre ? Non, merci. Tiens, prends une petite patate. Tout qu'on fait. Fais-moi une salade de pommes de terre. Et donc là, il faut faire une potion ? Oui. Une potion avec une mâchoire en os, un trèfle. Un trèfle et une bière. Un breuvage d'Erazal. Oui, Nicky Pong. T'es à l'intérieur ? Dans. Bah oui. Et je sais pas où est Clictus. On n'en voit pas beaucoup des SRAM, j'ai l'impression. Est-ce grave ? Cela dit. C'est normal, ils ont été nerfés il y a pas si longtemps, donc tout le monde a râlé. Et encore moins des SRAM féminins. Oh, au contraire, moi je vois beaucoup plus de SRAM féminins que de SRAM masculins dans le jeu. Ouais. Oh oui. Bah déjà, tous les garçons qui font des personnages féminins parce que c'est des filles. Voilà. Alors... Ouf. Le mec, il a un donut. Oui. Oui. Il est chouette, ce familier. Il prend les couleurs de ton personnage. Oui. Stylé. Ouais, il est très très cool. Donc, Clictus se trouve en moins 17-37. Il faut pas faire n'importe quoi, ça c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? De souvenir, faut pas faire n'importe quoi, il faut le faire vite, c'est ça ? Ouais, les potions ça va être. Mais j'en avais utilisé qu'une quand je l'avais fait. C'est vrai ? Oui, mais je pense que j'ai juste fait ce qu'il fallait au bon moment, et puis... Puis basta. Et le dos sur l'écran est tombé. Pardon, dis-moi, je pense à quelque chose. Alors, ça remonte à loin dans les streams d'Ophus. On parlait des... Quand on gagne des niveaux, on gagne des points bizarres. Voilà, des points à répartir. Oui. Point de caractéristique. J'ai atteint les 300 de naturel en chance. Oui.
Et il me semble qu'on avait dit qu'il fallait que j'arrête là. Alors il y a deux façons de faire. Soit tu t'arrêtes à 300 et tu mets le reste en vitalité. Mmh. Soit tu montes jusqu'à 350 et tu auras un peu moins de vitalité. C'est quoi le mieux par rapport à tout le groupe? Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui soigne dans le groupe. On n'a que du bouclier. D'accord. C'est, je pourrais soigner, mais dans ce cas-là, faudrait que je passe feu. Autant dire que c'est pas dans les plans maintenant. Donc, vitalité. Ouais. Niki-lik, fermez ce dialogue. Attendez. Là, il va falloir absolument suivre ce que... Alors... Je pense qu'il va falloir revoir le truc. Avant de lui parler, il faudra utiliser la potion. J'arrive, je suis à 3 cases. Au revoir, Grantos. Alors, il vous demandera de trouver des indices de la présence des sans-os. Pour cela, il existe deux positions qui varient. J'aime bien ton slip marron devant et derrière. Et bonne soirée à Xanthos qui va dodo du coup. T'as bu la potion, Jake? Non, j'ai à l'instant là, je viens d'arriver, inventaire. J'ai pas rendu la quête, c'est d'abord on boit la potion, c'est ça hein? Oui. Oui. Ah mais du coup je viens de faire le lien avec le titre du stream. Pourquoi t'as mis quoi en titre du stream? Je savais pas quoi mettre, du coup j'ai mis un jeu pas pour les enfants et en fait le hasard a fait que bah, ça correspondait à... voilà. Ah je suis un squelette. Oh j'ai eu le premier. Faut aller soit en moins 14-41, soit en moins 16-41. Moins 14. Le combat, j'imagine qu'il est solo. Il précise pas. Ouais, mais s'il y en a qui sont sur une map et d'autres sur l'autre. On peut pas voyager. Bah non, t'es pas sur ton. On a pas de. Bon, on va voir. Donc j'ai dit moins 16. Moins 14-41. Ouais, c'est pas tout à fait du hasard, Kerweren, c'est juste que le... C'est un peu du troll, c'est juste que en vrai, Dofus, je ne peux que me rendre à l'évidence, Dofus n'est pas un jeu pour les enfants, il y a énormément de références comme ça, cachées, parfois un peu moins cachées, mais c'est vrai que là, tout à l'heure, je l'avais pas vraiment vu, pour moi, c'était juste une belle fresque, et en fait, non, j'ai zoomé, et ouais, non, c'était plus une belle fresque. Du coup, vous êtes en moins... Bah, moi, je suis allé en moins 16-41. Parce que moi, il y a rien à faire en moins 14-41. Bah, viens en moins 16, alors. Pourquoi il y a l'esprit tortueux qui a pop juste à côté de moi? Parce que c'est la quête. Vaincre fantôme amer. Ça se fait tout seul, tu peux le faire, oui. Il est pas dur. Employer la force. Ah, c'est Star Wars. Ah, je suis redevenu Zobel. Il va falloir reprendre une popo. Ah, mais il me renvoie les dégâts, purée. Ah bon? Moi, je l'ai atomisé. Paradoxal pour un fantôme. Ouais. Renvoie. Un sort de rang 6 maximum. C'est quoi un sort de rang 6 déjà? Un sort au niveau maximum. Un sort tout court parce que maintenant ils sont tous de niveau 6. C'est nul, Il a fait mis à jour. Ouais. Voilà. T'as buté le fantôme? Ouais.
Et voir clique-tu. Clique-tu, c'était dès qu'on CP à Brakmar, hein, c'est ça hein. En moins 17-37. Il faut à nouveau une... Moins 17-37. Moins 17-37. Il faut reboire la potion pour lui parler. On a toujours la potion sur nous, d'accord. Bah t'en as fabriqué 3. Hein. Ah bon? Voilà. T'en as fabriqué qu'une? Apparemment. Moi j'en ai fabriqué qu'une, hein, il me semble. Ah ouais. Oui, oui. Vous avez le droit de retourner à l'atelier des alchimistes pour en faire les oh deux. Oh là là! Bah j'ai cliqué sur fabriquer, c'est tout. On m'a jamais dit qu'il en fallait plusieurs, hein. Vous avez déjà fait les quêtes, vous savez ce qu'il faut faire? Non. Attends, j'ai pas fait toutes les quêtes du jeu. Hein. Les alchimistes. Il y a même pas un quart d'heure, t'as dit que tu t'étais bien débrouillé la dernière fois. Oui, celle-là, je la connais. Pas toutes. Ok, c'est bon, j'ai deux. Du coup, on en fait deux ou trois? Bah maintenant, plus que deux. T'en as déjà utilisé une, donc tu peux en faire que deux. Oui, mais est-ce que c'est utile d'en faire une deuxième? Oui, fais-en deux. On sait jamais, on en aura une de plus que... Qu'une de moins. Morte. Clique-tu, vous êtes 17, 37. Moins 17, 37. Il a eu le petit point sur ta map. Quand il apparaît? Parce que Jake il active toutes les quêtes, du coup il a 16 000 points. Mais non, mais c'est juste que je sais plus ce qu'il faut suivre ou pas, il y avait tellement de choses et du coup je sais plus ce qu'il faut désactiver et ce qu'il faut les activer. Et voilà. Je pourrais faire un point là-dessus, mais le truc c'est que ça prend. Mais il te le dit, Louis, en plus. Mais il le dit à chaque fois. Il dit ça, on verra plus tard. Hop, tu désactives la quête. Ouais. C'est vrai. Là, tu dois avoir qu'une seule quête en cours, c'est faire le mort. Ouais. Et à la limite, ramener 365 pages de l'almanach. Oh, ça. J'y pense. Il est bientôt fini, Jake. Ouais. Pas moi. À moi aussi, presque. J'en suis à 325. Ouais, pas mal. Ouais. Alors, faut reboire la potion. Hein. Oui. Allez. Ok, faire le mort, check. Allez voir Clicker. Clicker. Un cookie Clicker. C'est trop bien le jeu. Je m'en souviens encore du jour où j'ai découvert ce jeu. Attends, je vais regarder s'ils l'ont mis à jour depuis. Après, il y a eu des donjons et tout, j'ai rien compris. Mais oui. Non, sérieux. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais c'est pour ça que je regarde s'il y a des. S'il y a des mises à jour. Alors, info, Ubuntu, version history, le 1-11-2020, new building, new upgrade tier, new achievement, new heavenly upgrade, new modding, new rebalancing, new fixes, new stuff. Donc ouais, la dernière mise à jour de Cookie Clicker, c'est le 11 novembre. Ah, c'est ouf. Non, c'est le 1er novembre. Mais oui, mais les donjons et tout, mais c'était trop cool. J'ai arrêté avant que j'ai envie de dire toi à cause de toi maintenant. Il est trop bien le jeu. Genre vraiment, il est incroyable. Oh là là. Allez voir Clickhorn. Faut pas me lancer sur ce genre de truc, j'adore les clickers moi. Déjà, faut appuyer 15 fois. Hop, et j'ai un curseur, c'est bon. Oh, ils ont rajouté du bruit. Avant, il n'y avait pas mais de bruit. Mais oui, il y a tout. Bon vas-y, tu me diras si on s'y relance comme il faut. Hein. Okay. Moi je suis chaud. Hein.
Alors déjà, je suis à 3... Je suis à 0,1 cookie par seconde. Oh, je viens de faire un truc très drôle. Je sais qu'il y a un succès du jeu, c'est renommer ta fabrique de cookies. Tu fais ça? Bah, tu cliques sur le Von Factories Bakery, pardon. Ah, moi j'ai Space Parrot Bakery. Ah, bah, mais moi je l'ai appelé Yakipon Factory. Voilà. Je trouve ça très drôle. Il y a plein d'achievements, il faut réduire la fenêtre quand tu auras assez de lait. Le lait, c'est en faisant plein d'achievements. Ah, et du coup, ça trempe les... Ça trempe les cookies dans le lait, donc ça te fait un achievement. Il y a plein de trucs. Mais me lance pas dessus. On verra plus tard. Et donc, on fait quoi? On en est où, là? Vous en êtes où vous en êtes où dans la quête Moi, il faut vaincre le vampire Oman. Tu peux. Ça se fait tout seul? Oui. Ok, go. J'attendais que vous avanciez dans la carte. Allez voir Cliquea. Ah, mais du coup, il va me manquer. Cliquea! C'est un mix entre Cliquea et Cliquea. Ah, c'est trop bien, Cliquea. Je crois qu'il va me manquer une potion, du coup, non? Mut. Oh mon dieu, mais le vampire quand il meurt. Ça me fait rire. Ah non, c'est bon. Quête terminée. Travail terminé. Tu dois redevenir un squelette pour lui parler. Putain. C'est ma dernière potion de squelette. Hein. Encore des choses de prévues ou on arrête sur cette quête? Oui, il y a toujours des trucs de prévues. Qui commence à se faire tard. Hop. Ah ouais. Mais attends, c'est où quand il est où le passage là? Faut repasser, fallait passer avant. Et moi, je suis idiot, je fais le tour par le bas quoi. T'as un passage en moins 12:37, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et moi, je fais tout le tour parce que je suis idiot. Ah, c'est cool. Je veux pas acheter une grand-mère. Quoi? Contexte. Non, dans le cookie. Oui. Donc en fait, ça y était parti sur le cookie. Apparemment. Mais. Et terminé faire le. Vas-y, je m'y remettrai après le live. Grosse soirée cookie clicker. Mais. Je peux pas. Ah non, mais je suis con. Putain. C'est quoi, ah ouais, on peut avoir une armée de grand-mère. La suite de par ici, ça sera quoi? Par là. Parce que là, on est devant quand même un bâtiment assez grand. La suite, du coup, ça sera quoi? Non, là, on a fini le succès. Mm-hmm. Donc là, on va retourner. On reste dans les Landes de Sidimoth, puis on va aller un peu plus vers le nord, dans le camp des, enfin, vers la route des roulottes, dans le camp des Rictus. Oh non. Quoi? Bien chaud, Dinique. Oui, mais on va pas le refaire. Oh. Oh 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 oh. Tout le monde a fini la quête faire le mort. Oui. Oui. Donc on peut aller prendre le zap de la route des roulottes. Je l'ai déjà. Y aller. J'en ai marre d'être un squelette. On va au zap, c'est ça? On se met vraiment sur le.
Et on va en moins 23, 32. En bas à gauche. On est d'accord que gauche c'est pas là où c'est la droite. Hein. Attends, quoi? Ça dit quoi? Moins 23, 32? Oula, non, je me mélange complètement. La quête se lance devant l'atelier des paysans de Brakmar à moins 23, 32. Putain, j'ai dit n'importe quoi. On retourne à Brakmar? Oui! Allez, Brakmar. Centre-ville. Je suis un squelette. Au moins, je vais pas l'être longtemps. Hein. Je vais chercher un piou là. Et basta. Trop pénible. On parle à Liwikonwa. Willy Wonka. On parle à lui? Oui, oui. Dinde porte-plume. Comment ça, il te dit rien? Juste en Liwikonwa, même dans la citation blablabla, fermer ce dialogue. Ah bon? Ah bon? Mmh. Oui. Je suis désolé de vous dire que je n'ai pas suivi la position. À l'atelier des... Paysans. Paysans, ok. Moi, je le casse bonbon. Oui, oui, c'est ça. La ça, on le savait déjà. Hein. C'est pas très, très gentil. C'est pas nouveau, hein. Est-ce que peut-être que t'as déjà lancé la quête le casse-bonbon, Jake? Peut-être. Je regarde. Hein. J'arrivais. Hein. J'avais marre d'être un squelette, là, je me traînais, ça m'énervait. Oui, je l'ai lancé, oui, déjà. Ah, bon. Le mec nous attend même pas. Même pas. Non, mais c'est juste que j'ai dû passer devant et cliquer, et voilà. Donc là... Du coup, maintenant, on c'est peut bon, aller aux apps de la route des roulottes. Yeah! Qui l'eût cru? Du sucre. Parce qu'il fait des pâtes aux légumes. On est toujours pas sponsor, ça m'énerve. Par le sucre? Ah, mais moi, je vais être sponsor par n'importe quoi, je m'en fiche. Je fais tellement de pubs naturellement. Et maintenant qu'on est à la route des roulottes... Oh, le fabricant en de bonbons. Bas à gauche, en moins 27, 14. Ok. Pourquoi je... Ah, mais je suis sur squelette. C'est juste en dessous. Walter Blanc. Il m'a fait peur avec son bruit en dessous. Alors, je suis vraiment désolé, je suis allé en bas à gauche. En bas à gauche et en bas à gauche. Moins 27, 14. Oh punaise. Ok, j'ai rien dit. C'est Walter White. Ça y est, je commence à m'endormir. Ça m'énerve. Ok, désolé. Maintenant, on va voir Gradibu. C'est Dragibus. Ah, c'est rigolo. Pardon, t'as pris. Walter White qui fait de la meth. Évidemment, on est d'accord que c'est quelque chose de pas bien. Hein. C'est de la drogue. Ah ok, on parle de ça maintenant. Non, mais... non, non, mais c'est pas bien, c'est clairement c'est pas bien, mais c'est juste que... Pour ceux qui comprennent pas, oui, la meth, c'est la méthamphétamine, c'est de la drogue. Je fais juste un combat parce que ça m'énerve. Ah, tu vois. Mais c'est dans la série à succès. Breaking Bad. La série à U. Mince. Tu le gères ou c'est bon? Oui, oui, oui. Donc quand vous parlez j'espère. À Dragibus, ça lance un combat. Sorry. Mais... Je peux pas monter. On va faire le tour.
extrêmement relou ce petit vélo là. Il a pris le petit vélo. Et après il a mis là. Ah, meilleure blague. C'est bon, je ne suis plus un squelette. Bravo. Ils m'ont lancé des feux d'artifice. Mais ils font mal. Un petit peu. Mais ça passe. Bon, les tragipus. Ah ça. C'est les meilleurs bonbons du monde. Non. Peut-être pas. Non. J'en ai l'eau à la bouche. Non mais sans déconner. Il bave. Oh mec, bah, oui. Là je bave, ouais. Horrible. Une étoile. Si tu veux, j'en ai un petit peu. Des dragibus ? J'en ai 6. Pourquoi ? J'en ai un petit peu, j'en ai 6. Parce que j'ai acheté des livres sur l'Ankama Shop et j'ai eu un paquet de Shijekax. Oh, c'est rigolo ! Et c'est des dragibus en fait ? Oui, c'est des dragibus. Ils disent que c'est des Shijekax. Ah, ouais. Mais, fun fact ! Le Shigeki, c'est vraiment un bonbon japonais. Ah ouais? Oui. Shigeki no Kyojin. Non mais non, il m'a dit j'aime les bonbons. La la la. Alors je sais, attends, je sais plus si c'est les Shigeki ou. Mais j'en ai vu la dernière fois que. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais mourir. Mais non, vous êtes sérieux? Sérieux? Bah, ils ont 60% de résistance terre et j'ai pas fait gaffe. Les nulans. Ah, mais on retombe à Incarnam. Incarnam. Ah oui, à Incarnam. Ah oui, quand même. Genre, je reviens au début du Crossmos. Ouais. Mon âme est désincarnée. On repart du niveau 1, ça y est. Dis-toi qu'il y a un serveur comme ça. Oui. Oh mon dieu, quelle horreur. Je sais même pas ce que les gens font dessus en vrai. Ils meurent. Ouais, mais genre, n'importe quel combat, bah, tu meurs dessus, ça sert à rien. Vous voulez de l'aide, peut-être? Non, j'attends que ma kawatt me soigne. Je traverse Incarnam. Incarnam? Mais c'est vraiment Incarnam? Oui, c'est pas une blague. Mais c'est pas bon. Mais pourquoi je reviens à Incarnam? Je sais pas. C'est incroyable. Mais dans n'importe quel monde, ça n'existe pas, ça. Genre incroyable. Non, Incarnam. Ah oui, pardon. Le zap le plus proche, c'est quoi de là où on doit aller? L'Inde de Sinimote. L'Inde de Sinimote, la route de Roulotte. Tu peux te TP sur moi si tu veux. Je suis un peu loin, j'arrive. Non, mais une fois que t'as pris le zap. Oui. Tac. On peut pas mettre un raccourci sur le bouton du cœur. Rien en avait. Mais oui, ils l'ont enlevé. Enfin, normalement, il devait s'activer que quand on était mariés. Parce qu'avant, il y était tout le temps, même pour les gens qui n'étaient pas mariés. D'accord. Sauf qu'il y a un petit bug et normalement, ils vont... comme d'hab. Ils vont le remettre, normalement. Ok.
Ah, le fameux sablier. Ah, le sablier. Il est minuit, sauvegarde le serveur. Et minuit. Retournez voir Walter. De suite, on voit la différence de dégâts. En faisant quoi? Du patin en croûte. Non, juste en regardant Louis taper. Non, mais ça, il faut pas. Hein. Ah. Ça dégoûte vraiment. Genre, c'est pas une blague. Je sais pas, je vais mettre ça là. Voilà. Talapatat, talapat, talapapap. Voilà, maintenant j'ai ça en tête. T'es content? Bon, c'est pas pire. Et peut-être qu'on sera sponsor par Wakanim? Oui, bien sûr. Par ADN? Ouais. Ouais. La pente, il y a plus de moyens. Ok. Comment tu fais pour aller aussi vite? J'ai même pas le temps de traverser une map que t'en as déjà fait la moitié, quoi. Ninja. Non, c'est ton ordi. Il met plus de temps à charger la carte. Du coup, je regarde le retour sur Twitch et dès que je vois que t'es sur la bonne map, je fais hop là, téléporté. T'as raison. Mais j'ai pas le choix. Ok. Après, il faut faire quoi? Alors, il faut ramener une dragodame dedans. Poil de dragodame. Il faut aller en moins 25-3. C'est tellement loin. Sur ce qu'on doit faire ce soir, il y en a encore pour un moment ou pas? Ah, si vous voulez, on s'arrête là et on reprend le prochain stream. Elle est longue encore la quête? Un tout petit peu, oui. Bon alors. Faut juste savoir si c'est Sidofus. Autant arrêter là, quoi. Si tu dis que c'est long. Autant arrêter là. Ok, on s'arrête là. C'est pas que je veux pas continuer, c'est juste que. Me lever. Hein? C'est pas que je veux pas continuer parce qu'en vrai là je suis un peu sur la lancée, c'est juste qu'il faut que j'aille me coucher, quoi. Oui, bah pareil. Hein. Ouais. Pareil. Ah non, j'ai pas dit pareil. J'ai juste l'almanach ça avant quand même. Ah oui, c'est vrai. Ce serait bien de faire ça avant du coup. Yep. Pour ceux qui ont suivi. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, merci de ceux qui sont en raid, merci encore plus. On vous fait des bisous très cordiaux. Et sinon, prochain stream côté Ivasound demain soir à Among Us à 21h. Mais venez à 20h30 quand même. 20h30, on va diffuser la première émission Radio Carbone 2021. On va voir les réactions sur Twitch. Voilà, c'est une demande qui a été faite. Du coup, ça peut être intéressant. Radio Caravane, c'est un des projets de l'association, en fait. La médiation culturelle, redynamisation auprès de jeunes, tout ça, mais vous verrez ça demain. Et là, la première émission de cette année, c'est vraiment parler de... la culture, elle n'est pas vraiment en pause, en fait. Elle est en pause auprès du public, mais pas auprès des artistes, ni des chargés de diffusion, tournée, programmation. Eux, ils continuent de travailler dans des conditions très étranges, mais ils et elles continuent de travailler.
Donc ça sera diffusé demain soir 20h30 sur Twitch, soit Yala, bien sûr, et 21h à Mongus, comme d'habitude, mardi, va Sound. Voilà, passez une bonne nuit, passez une agréable fin de soirée. Merci à mes camarades de jeu pour ce soir, c'était vraiment un très bon moment, et vraiment je vous remercie, parce que ça détend de toute la journée, c'était vraiment, j'ai passé un super bon moment. Donc grand merci à vous trois. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Bisous. Au revoir. Au revoir. Finalement, bisous.